Donc, un grand merci. Eh bien, on va suivre l'intégralité de cette discipline, que ce soit le supercross, mais également le freestyle motocross, qui viendra mettre un petit peu de piment également dans ce show. Le Bercy 2013, c'est un ensemble de courses, bien évidemment, mais avec également beaucoup de show avec ce freestyle que l'on retrouvera dans quelques instants. Alors, Jean-Michel, à quoi on peut s'attendre? On a dit, les meilleurs Américains sont là, les meilleurs Européens également, une grosse bataille à s'attendre, puisque les temps sont très, très serrés. Oui, la piste cette année est une magnifique piste, très rapide. Donc les temps sont très serrés. Les pilotes américains, on a les meilleurs, Barcia et Trey Canard. Derrière, on a Gauthier Paulin qui nous a vraiment surpris aux essais. Donc c'est des courses, ça va être très disputé. Voilà, des courses disputées. On l'a vu déjà aux essais, bien évidemment, avec Trey Canard qui a signé le meilleur temps aujourd'hui. Mais derrière, c'est un Français, c'est Gauthier Paulin. Alors on peut s'attendre à beaucoup de choses ce soir, bien évidemment. On va retrouver justement ce qui s'est passé hier, puisque ce vendredi, il y avait la première soirée du Supercross de Paris-Bercy. Nous allons revivre en images ce qui s'est passé avec la première finale qui était déjà très disputée. Vous allez le voir, à l'avantage des Américains. Allez Jean-Michel, on va retrouver cette première course, première soirée. Le Supercross de Paris-Bercy, c'est trois soirées au total. On fera le cumul des points ce dimanche pour connaître le King of Bercy. Ça part tout de suite, c'était vendredi soir ça. À l'intérieur, on retrouve Justin Barcia. Oui, un excellent départ de Gauthier Paulin qui a réussi à partir en tête de cette course. Gauthier Paulin qui fait l'excellent départ, et à la deuxième position, on retrouvait également l'autre Français, c'était Jordi Tixier, le pilote de l'Île-de-France. Ouais, c'est toujours bien de partir comme ça devant, parce que on n'est vraiment pas gêné, on peut choisir ses trajectoires, on voit derrière, ça se pousse pas mal, donc Gauthier Paulin à la voie libre devant et il nous fait un magnifique début de course. Alors le début de course était excellent pour Gauthier, et puis très rapidement on passe à cette fin de course où les deux Américains avaient pris l'avantage. Une grosse bagarre bien évidemment, l'avantage était pour Justin Barcia. Derrière lui on avait Trey Canard, ils avaient réussi à creuser l'écart, une petite erreur pour Canard. Et puis la nouveauté cette année Jean-Michel, c'est cette Joker Lane que tous les pilotes devront faire au moins une fois en finale. Oui c'est ça, donc c'est une trajectoire, une ligne qu'on est obligé de prendre une fois pendant la course. Et forcément, elle rallonge le tracé de 3 ou 4 secondes, donc on perd pas mal de temps, mais il faut la prendre au moins une fois pendant la course. Voilà, ça va ajouter un petit peu de différence dans ce que l'on a l'habitude de voir en Supercross. On l'a vu, Trey Canard était deuxième, Justin Barcia s'est échappé hier soir. Justin Barcia a vraiment dominé la première journée du Supercross de Bercy, puisqu'il était le plus rapide aux essais. Il a été le pilote en tête des séries, le pilote en tête de la course à l'américaine et le pilote qui s'est imposé en finale. Ouais, il a dominé hier soir, mais Trey Canard était vraiment pas loin. À un moment même il était un petit peu plus rapide que lui en finale, et ils sont pas venus là pour rigoler les deux Américains, même s'ils sont dans le même team. Ils ont vraiment envie de s'imposer l'un ou l'autre ce soir. Alors on va voir justement ce que ça va donner, puisque aujourd'hui on a un petit espoir côté français, puisque au niveau des temps ça s'est resserré. On a vu Gauthier Paulin très proche des Américains, Greg Aranda également très proche. Voici le podium de cette première soirée, donc Justin Barcia, la deuxième place pour Trey Canard et la troisième place pour Gauthier Paulin. Ouais, une magnifique soirée pour Gauthier Paulin, troisième place pour le premier soir, il ne pouvait pas rêver mieux. Alors Jean-Michel, Bercy on l'a dit, c'est du supercross, mais c'est également du freestyle motocross avec les meilleurs pilotes de la discipline. On retrouvera notamment Tom Pagès qui a fait des figures incroyables déjà sur cette première soirée. On va le voir ici avec le célèbre Volt, maintenant une figure impressionnante. Et justement Tom, eh bien on va aller le rencontrer dès à présent dans le paddock. Nous allons vous faire vivre une soirée totale, que ce soit sur la piste mais également dans le paddock. Nous n'allons rien manquer de ce Supercross de Paris-Bercy. Alors tout de suite, nous allons retrouver Xavier Richefort qui est avec l'athlète numéro 1 au monde du freestyle motocross, Tom Pagès. Exactement, merci Maxime, bonsoir à tous, en compagnie d'une méga star, Tom Pagès, qui nous fait la gentillesse, à quelques minutes de se concentrer, d'entrer dans la compétition, dans le show, qui nous fait la gentillesse de venir nous parler. Alors voilà, un premier sentiment après une première soirée hier, comment ça s'est passé et dans quel état d'esprit vous vous sentez ce soir? Hier ça s'est super bien passé, moi et mes potes on a fait un show je pense du mieux possible. Ce soir c'est blindé, une ambiance énorme, donc on reconnaît l'ambiance de Bercy et c'est pour ça qu'on est là quoi. Bon, vous faites partie des références dans votre discipline, vous êtes même la référence là depuis quelques mois, depuis quelques années. Est-ce que c'est pas une lourde responsabilité de devoir assurer un show, parce que vous êtes attendu, les 33 000 personnes qui viennent sur 3 jours à Bercy, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous.
Je ne sais pas s'ils sont là pour moi, mais moi, ça me tient à cœur de faire le plus beau show et d'essayer de partager avec eux et qu'ils repartent contents de cette édition 2013. Bon, comment ça se passe avec les copains? Parce que bon, il y a du spectacle. Est-ce qu'il y a une petite concurrence quand même dans votre discipline? Ouais, il y a de la concurrence parce que on se retrouve constamment sur les compétitions ensemble toute l'année, mais ici ça va être que du fun et ça va être celui qui engage au plus les figures et qui va pousser l'autre à faire encore meilleur. Bon, bah écoutez Tom, merci beaucoup, merci infiniment d'être venu témoigner, on vous laisse vous concentrer et puis bon, pas de folie non plus quand même, hein. Pas d'accident. Hein. Merci, à tout à l'heure. Voilà, très belle soirée en compagnie de Tom Pagès. Voilà Maxime, je vais vous rendre la main, on essaie d'attraper Gauthier Paulin qui est rentré dans son paddock là, pour essayer de se concentrer et on le prendra après bien évidemment. Je vous rends la main Maxime. Merci beaucoup Xavier, donc on aura du freestyle c'est sûr. Dans quelques secondes, la première course de la soirée, Jean-Michel, ça va être l'équipe junior, les juniors qui vont débuter. Bercy, c'est une première porte ouverte pour eux pour arriver au stade international. Oui, cette catégorie junior, donc c'est des jeunes pilotes qui découvrent un peu la grosse ambiance de Bercy. Maintenant, tous ces jeunes pilotes font beaucoup de supercross lors de la saison. Donc, c'est pas vraiment des débutants, c'est vraiment des jeunes confirmés. Bon, mais là, il y a le stress en plus quand même, c'est Bercy. Allez, 15 secondes avant le départ, tout de suite l'action. Première course, SX Tour Junior. C'est parti. Allez, dans cette finale junior, on retrouve les meilleurs pilotes français de Supercross avec seulement des 125 cm3 dans cette course et une chute assez impressionnante là, dès ce premier virage, sans gravité bien heureusement. Ouais, ce départ qui se resserre assez fort avec un virage très serré, donc voilà, pas mal de chutes dans tout ce départ. Allez Jean-Michel, on va découvrir cette piste du Supercross de Paris-Bercy qui traditionnellement passe dans les coursives. Ouais, le passage dans les coursives qui a été inauguré en 1990, ça a été une grosse évolution parce que ça a permis aux pilotes de prendre un peu de l'air, de se reposer et surtout de créer plus de rapidité dans la salle. Ouais, Jean-Michel, une année où vous aviez été aux avant-postes hein, de ce Supercross. Oui, des bons souvenirs. Allez, premier tour déjà et on retrouve aux avant-postes Danouzé devant... Brest, Barcelo est à la troisième place. Un pilote à suivre dans cette finale, c'était Lebeau. Mais regardez, il a eu un petit souci. Il est pointé en dernière position. Julien Lebeau, qui avait remporté la première manche cet après-midi. Julien Lebeau qui s'était battu hein, avec Lucas Humbert, c'était le duo de choc. Et bien là, justement, les deux pilotes que l'on avait retrouvés aux avant-postes depuis le début de ce week-end n'ont pas débuté cette première finale de la soirée de la plus belle manière. On voit ici à l'image Théo Ramos. Ouais, et puis des pilotes quand même qui maîtrisent, on voit bien le Supercross, même s'ils sont jeunes. C'est quand même les futurs espoirs. On les verra peut-être dans les grosses catégories dans les prochaines années ici à Bercy. Alors Jean-Michel, l'école du Supercross français, elle date depuis 1987 où il y a eu la création du championnat de France de Supercross avec Jean-Luc Fouché qui vous a mis le pied à l'étrier en quelque sorte. Et puis il emmène toujours cette jeune génération. Oui, la naissance du Supercross c'est ici à Bercy, c'est en 84. Le premier Supercross, on a découvert cette discipline avec la supériorité bien sûr de tous les pilotes américains. Et Jean-Luc, qui est quelqu'un un peu de visionnaire, a dit « je vais créer un championnat de France pour permettre aux Français de pouvoir un jour rivaliser à Bercy ». Et en fait, c'est la filière que j'ai suivie et qui m'a permis de gagner plusieurs années après ici à Bercy. Voilà, puisque ce soir, Jean-Michel Baille nous accompagnera bien sûr pendant toute cette soirée. Jean-Michel, un champion des États-Unis de Supercross, champion de motocross également aux États-Unis, 250 en 500. Voilà, vous avez parcouru le monde pour aller chercher ces titres. Premier Français à décrocher l'or aux États-Unis. Alors Jean-Michel, là on peut s'apercevoir que cette piste est très technique cette année. Hein. On va y revenir dans quelques secondes avec des spécificités pour le Supercross qu'il faut comprendre hein, sur cette discipline. On n'est pas sur du motocross, on est bien sur du Supercross ici, avec ces séries de whoops sur lesquelles les pilotes vont revenir dans quelques secondes. Et avec cette année une innovation, ils ont mis un peu de sable avant la série de hoops, voilà, juste à cet endroit-là. Voilà, donc ici. La prise d'élan est très difficile avant les hoops, donc c'est vraiment même difficile pour les pilotes d'usine qu'on va voir après pour les grands pilotes américains. Allez, actuellement c'est Danouzé qui est en tête et derrière une énorme bagarre, hein. On le voit ici, avec Théo Ramos, avec Timmy Clocher. Alors, petite précision, ils n'utilisent pas la Joker Line. Barcelo. Dans cette catégorie, la Joker Line, ils ne l'utilisent pas.
Oui, voilà, la Joker Lane, on la découvrira tout à l'heure hein, pour la grande finale Inter. Allez, on voit ici Théo Ramos. Derrière lui, c'est Jimmy Clocher. On se bagarre pour la quatrième position. Et on revient sur la tête de course ici avec Danouzé, le pilote KTM. Ouais, il gère quand même bien sa course. Il a un bon rythme. Il essaye de ne pas faire de faute. Il a le pilote italien qui est juste derrière lui. Ouais, Danouzé, c'est le pilote qui est actuellement en tête hein, de ce SX Tour dans la catégorie junior. C'est vrai qu'il maîtrise cette catégorie. Et on attendait hein, le retour de Julien Lebeau qui est en train de remonter. Il était pointé dernier au premier tour. Il est actuellement à la 7e place et il reste 3 tours, Jean-Michel. Ouais, en 3 tours, il peut encore rattraper pas mal de pilotes, même si les écarts sont importants. Hein. Ah, ici, c'est le jeune Barcelo, Nicolas Barcelo à l'image. Et derrière, toujours cette bagarre. Et le retour de Théo Ramos, peut-être, pour aller chercher une 3e place. Devant lui, Nathanael Bress. Attention, cette bagarre dans les 3 derniers tours. Regardez le jeune Théo Ramos qui est survolté ce soir. Excellent pilotage. Alors, il faut le dire, hein, ces pilotes que l'on voit actuellement, ce sont les plus jeunes et ils pilotent les machines les moins puissantes de la soirée, les 125. Et il était assez difficile pour eux de sauter cet énorme saut d'arrivée, hein, Jean-Michel. Oui, ben c'est ça, c'est seulement des 125, donc les obstacles sont faits pour les grosses motos, pour les 450. Donc c'est vrai que pour eux, un peu de difficulté à enchaîner les sauts qui sont vraiment longs. Quoi. Le plateau d'arrivée fait quand même 25 mètres, donc avec une petite 125, il faut pas se rater. Allez, on a vu une petite erreur de Théo qui s'est fait doubler par Jimmy Clocher. On retourne avec ce leader. Aucun souci hein, pour Danouzé. Et il rentre dans son dernier tour maintenant. La 2e place pour Nicolas Barcelo. Et la 3e position, Jean-Michel. Rien n'est fait. Les voici, hein, les pilotes qui se bagarrent pour la 3e place. Ouais, ils sont 4 pilotes là, pour la 3e place. Des pilotes qui sont sortis des catégories cadets, 85 cm3, l'école française hein, qui est souvent très bonne. Et attention, ça devrait passer là pour la 3e place. Changement de position avec Jimmy Clocher qui est en train de faire une très très grosse attaque. Ouais, c'est passé hein, pour Jimmy Clocher. Il est 3e maintenant, la 4e place. On va retrouver maintenant le pilote numéro 184, Bress, et l'arrivée et la victoire dans cette finale junior pour Danouzé. La 2e position, Jean-Michel, on retrouve Nicolas Barcelo. Et la 3e place, il a été la chercher, hein, Jimmy Clocher qui terminera donc sur ce podium. Voilà donc pour l'avant-goût de notre soirée, les petits jeunes qui ouvrent le bal ici à Bercy. Ouais, on peut voir ça comme ça, c'est vrai que ça nous permet de découvrir la piste. Après, c'est vrai que les temps autour n'ont rien à voir avec ce qu'on va voir tout à l'heure. Bien sûr, les motos sont moins puissantes, les pilotes ont moins l'habitude de ces obstacles, donc forcément ça va un peu moins vite. Alors Jean-Michel, si là nous venons de voir les plus jeunes, les juniors de ce SX Tour, nous allons retrouver peut-être le meilleur espoir français, en tout cas c'est celui qui est le plus rapide actuellement sur cette piste, c'est Gauthier Paulin. Il est dans le paddock avec Xavier Richefort. Xavier. Merci beaucoup Maxime, effectivement Gauthier Paulin qui nous fait vraiment la gentillesse hein, de nous accorder quelques instants. Gauthier, merci beaucoup, vous allez bientôt entrer en piste, il y a la pression? Oui, il y a beaucoup de pression, vraiment 20 minutes avant c'était le calme avant la tempête, maintenant la présentation est passée, on est en pleine concentration et prêt pour cette première manche de qualification. Bon, vous avez la clé, ça y est, pour les battre enfin, ces Américains? La clé, oui, hier je me suis pas mal débrouillé, vraiment j'ai eu un temps vraiment très serré pour me préparer pour cette épreuve de Paris-Bercy, je suis plus habitué à faire du motocross, mais vraiment je me fais plaisir ici, j'ai Kawasaki Racing Team qui me suit à 200%. Hier, la piste était vraiment plus meuble, la terre était plus meuble. Et puis aujourd'hui, elle a un petit peu séché. La piste, le tracé est toujours le même, mais du coup, elle est un petit peu différente à rouler. Je me suis intercalé entre les deux Américains qui étaient devant hier. Hier, j'ai fini 3e. Ce matin, au chrono, je fais 2e. Donc non, c'est de bonne augure pour ce soir. Bon, merci beaucoup Gauthier. On vous souhaite le meilleur pour justement cette course qui arrive dans quelques instants. Merci infiniment de nous avoir accordé quelques temps. Merci à vous. Et voilà donc Maxime, à Gauthier Paulin qui nous a vraiment fait... De nous parler, il va partir, il se concentrait, il attendait vraiment qu'on vienne vers lui et maintenant il va pouvoir s'élancer pour tenter enfin, allez, de les battre ces Américains. Ah Jean-Michel, ça c'est une belle question, est-ce qu'on va pouvoir les battre ces Américains?
Alors ça va pas être facile quand même. Ça va pas être facile parce que même si Gauthier nous a vraiment surpris hier soir, il a fait une course magnifique, il fait troisième derrière les deux ténors américains. Il y a du rythme devant, ça va très très vite. Barcia, Canard, en plus ils sont pas très copains, je les ai vus tout à l'heure dans le paddock, ils ont vraiment envie de gagner, ils sont pas là pour faire du spectacle, ils sont là vraiment pour montrer déjà leur supériorité entre eux. Donc Gauthier va avoir du mal, mais en même temps il est bien parti hier avec un bon départ. Si les Américains s'accrochent un peu entre eux, ça peut le faire. Oui, et puis c'est plutôt rassurant quand on voit les temps de l'après-midi où Gauthier maintenant on est à quelques dixièmes des Américains. On peut se dire qu'avec le bon départ, il y a quelque chose à jouer. Oui, et puis Gauthier qui découvre un peu le Supercross ici puisqu'il ne s'est pas vraiment beaucoup entraîné. Il a terminé sa saison de Grand Prix il n'y a pas très longtemps. Donc ça peut aller que mieux de jour en jour. Donc, alors que les Américains hier, déjà, ils étaient à leur maximum. Donc il y a une marge de progression qui peut être surprenante. Jean-Michel, on découvre ces jeunes têtes justement, Jimmy Clocher, on a vu Dan Nouzet et Nicolas Barcelo, voilà le top 3 de cette série junior du SX Tour. Et des noms qu'il va falloir retenir puisque c'est certainement eux que l'on retrouvera au meilleur niveau mondial ensuite. Bon, on les voit, c'est des petits genoux, hein, des petits genoux, mais bon, qui sur la piste avec leur 125 quand même arrivent à quasiment sauter tous les obstacles que les grands sautent, donc c'est déjà une belle performance. Alors Jean-Michel, ce que je te propose, c'est de voir justement et décortiquer cette piste du Supercross de Paris-Bercy. On va prendre le pilote qui nous a étonné, qui nous a surpris, qui nous a époustouflé hier, Justin Barcia. Et Justin, tu le connais bien en plus, tu as passé quelques temps avec lui. Eh bien, nous allons décortiquer son meilleur tour en piste. Les images tout de suite et Jean-Michel Bail va vous décortiquer cette piste, va vous donner son œil avisé sur le tour de Justin Barcia. Avec la première demi-finale. Donc là, il arrive sur le triple saut. Donc là, il essaye de sauter le moins haut possible, intérieur ici, pour faire le moins de chemin possible. C'est une série très difficile avec un double et on rebondit pour sauter un triple et encore un triple ici. Là, on rentre dans la coursive avec des bosses qui sont un peu parsemées, sans trop. C'est difficile de trouver une bonne trajectoire à ce moment-là. La longue ligne droite derrière, les 4 bosses, il fait 2 et 2. Extérieur, il essaye de garder beaucoup de vitesse. Voilà, il s'écarte bien. Et là, c'est l'endroit très difficile à rentrer dans le sable avec les hoops derrière. Donc là, les hoops qui sont quand même très très hauts et très espacés. Ici, la nouvelle grosse bosse. D'ailleurs, il la saute à ce tour-là. On verra en course, certaines ne la sautent pas tout le temps. Les sauts d'arrivée. Et voilà le virage avant de reprendre le triple saut qu'on a vu au début du tour. Donc un circuit quand même très rapide, avec des longues lignes droites, des enchaînements où on n'a pas trop le temps de se reposer. Le seul endroit où on se repose, c'est dans les coursives. Voilà Jean-Michel, une piste qui a évolué également. On a vu cette partie sable avant les whoops. Ensuite, le saut d'arrivée également a été élargi de 6 mètres à 9 mètres de large. Un petit peu plus haut également, 4,80 mètres de haut pour le saut d'arrivée. Et puis cette entrée des coursives déstructurée comme ça, avec des petites bosses à gauche, à droite, un petit peu différente. On va débuter avec la première série, Jean-Michel, la première série avec notamment Trey Canard, le pilote le plus rapide du jour, Greg Aranda, Will Hahn, le champion des États-Unis de Supercross. On retrouvera Cédric Souberas, l'actuel leader du SX Tour. Valentin Tellier à suivre également, l'une des fureurs de la catégorie SX2. Fabien Isoard, Matteo Bonini, Charles Lefrançois. 15 secondes pour la première série inter. Et Cédric Souberas qui roulait très très bien hier, donc on attend beaucoup de lui ce soir. Il faut qu'il arrive à se mettre dans le rythme et surtout faire un bon départ. Première série de la soirée, l'excellent départ du Français Grégory Aranda. Regardez l'intérieur, excellent pour Trey Canard. Et Canard qui a pris la tête immédiatement. Allez, on a Trey Canard, l'Américain, avec la Honda derrière lui. Greg Aranda, troisième position pour Cédric Souberas, quatrième place pour Willan. Ouais, c'est bien pour Cédric là et Aranda, ils sont deux et troisième. Ils vont pouvoir essayer de suivre le rythme du pilote américain et essayer de voir un peu ses trajectoires, essayer de voir son rythme. Donc là, il faut qu'ils en profitent parce que ça va peut-être pas durer longtemps. Alors là, Jean-Michel, on le voit tout de suite, cette bosse-là est une nouveauté cette année, très spécifique. On a deux possibilités, soit sauter derrière la prochaine réception, soit justement l'épouser, faire une sorte d'amorti pour essayer d'aller plus vite. À votre avis, quelle est la meilleure solution? En fait, la solution, le saut, je pense, est un tout petit peu plus rapide. Bon, maintenant, c'est difficile à maîtriser parce que la bosse est très, très raide et il y a un gros choc à la réception, donc c'est difficile de le faire à tous les tours. Voilà, pour dire vrai, il y avait 3-4 pilotes qui se sont tentés à faire ce grand saut. Oui, parce que c'est assez physique et ça prend beaucoup d'énergie et seulement les pilotes qui maîtrisent vraiment le sujet arrivent à le faire à tous les tours.
Allez, retour à l'action avec Canard en tête, Aranda deuxième, Soubera c'est derrière la bagarre, justement avec Willan. Willan qui tente d'aller chercher cette troisième position à l'actuel leader du championnat de France de Supercross. Une petite erreur de Willan. Et Willan, qui a, c'est le pilote en fait qui a battu Marvin Musquin dans le championnat américain. Donc un pilote quand même qui est très expérimenté, qui normalement va plus vite que Aranda et Soubérat, donc c'est intéressant de voir ce qu'il va faire, s'il va arriver à les doubler. Allez, déjà une avance considérable pour Trey Canard. Greg Aranda deuxième, Soubérat qui a réussi à prendre une légère avance maintenant après la petite erreur de Willan. Derrière lui on va retrouver Fabien Isoard, double champion d'Europe de Supercross, Matteo Bonanni, Valentin Tellier à la 7ème place. Valentin qui est le seul pilote de ce Supercross de Bercy à rouler en 250 cm3. Ouais, il roule, d'ailleurs il roule très très bien, il est surprenant. Maintenant c'est quand même un petit désavantage dans toutes les accélérations pour prendre de la vitesse sur cette piste. Et d'ailleurs Jean-Michel, en parlant du seul pilote à rouler en 250, j'ai une petite pensée ce soir également pour Jos Salfranc qui a chuté cet après-midi lors des essais, qui lui aussi roule en 250 cm3 et qui serait blessé au fémur. Oui, il s'est blessé assez, assez gravement quand même, parce que c'est quand même une fracture du fémur. Donc voilà, c'est pas anodin, donc il va certainement se faire opérer. Il est en train de se faire opérer, donc on lui souhaite un bon courage et un bon rétablissement. Effectivement, voilà, on pense énormément à lui ce soir, Jos Salfranc. Allez, retour à la course. Canard est toujours en tête avec 3 secondes et demie d'avance, mais derrière, la bagarre, elle est pour la 3ème place, Jean-Michel, entre Cédric Soubérat et Willan. Et je suis surpris quand même de Greg Aranda aussi, qui arrive à quand même, il ne se fait pas beaucoup distancer par Canard. Bon, bien sûr, Canard va plus vite, mais il n'y a pas une grosse différence. Effectivement, on était énormément surpris quand on a vu les Américains arriver vendredi dans ce POPB avec un avantage considérable. Hein. 1 seconde et demie d'avance dès les premiers essais. C'était impressionnant de voir les Américains, le rythme qu'ils avaient. Ils étaient tout de suite dans le rythme. Pour les Européens, j'ai l'impression que ces petites journées supplémentaires ici à Bercy leur permettent d'accrocher un petit peu ce rythme américain. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont, ils roulent beaucoup moins en supercross que les pilotes américains. Donc moins de testing, les motos sont moins prêtes, donc ils utilisent en fait la première journée pour s'améliorer. Donc on voit là Soubérat qui quand même tient bien tête aux pilotes américains, donc ça serait bien que ça se finisse comme ça. L'intérieur là de Willan, des trajectoires différentes, ça c'est intelligent hein, de ne pas suivre bien sûr son concurrent, d'essayer des différentes trajectoires. On l'a vu tenter un bloc page juste avant, c'est la spécificité ça du Supercross. Allez, des lignes différentes hein, sur chaque virage. Allez Cédric, il faut rester devant, dans les hoops. Alors ce qu'il faut rappeler hein, bien évidemment Jean-Michel, c'est que le top 4 de cette manche là, c'est une série qualificative. Et le bloc pass c'est fait pour Willan, il prend la 3ème place. Voilà, le top 4 ira directement au final. Ça c'est un réel avantage, le reste des pilotes devra passer par un repêchage. Ouais mais là, donc les bons pilotes sont qualifiés, donc c'est le principal on va dire. On est un top 4 hein, qui est déjà avec une avance assez considérable. Voici le leader, le numéro 41 avec la Honda d'usine, Trey Canard. Derrière, on retrouve Greg Aranda, Kawasaki Bud Racing, Willan et Cédric Soubérat. Allez, on est dans les deux derniers tours, Jean-Michel. Et Greg Aranda qui tient le rythme. Attention quand même au retour de Willan. Ouais, mais on voit le pilote américain, même s'il n'est pas aussi fluide que les deux meilleurs, c'est-à-dire Barcia et Canard, il a quand même un rythme qui est supérieur à nos beaux français. Même si Aranda roule très bien, mais on voit que derrière ça attaque un peu plus fort, ça prend un peu plus de risques et forcément ça va plus vite. Ouais, qu'est-ce qui fait la différence Jean-Michel? C'est cette attaque, cette hargne, hein, cette rapidité d'exécution. C'est ça, c'est le rythme. C'est le rythme d'accélération entre les obstacles. Et ça c'est difficile à le gérer, surtout que c'est difficile de le gérer, surtout sur la distance. Voilà, ce qu'ils arrivent vraiment à faire, les Américains, c'est des bons tours, mais à chaque tour, finalement, sur la longueur d'une finale. La victoire dans cette première série qualificative pour Trey Canard. Il avait une avance assez considérable, c'est vrai, regardez. Et ça passe, hein. Bloc pass fait et position gagnée pour Willan. Deuxième, troisième, Greg Aranda. Quatrième et dernier qualifié, Cédric Soubérat. Ouais, un intérieur qui est bien fait parce qu'il vient à l'intérieur, mais en fait, il lui laisse la place pour le laisser tourner en haut de la pluie. Donc c'est rare, bon, là c'est la qualification mais c'est agréable d'avoir. Des blocs packs comme ça c'est agréable d'avoir. Voilà une belle course, voilà ce que vous allez pouvoir suivre ce soir en direct sur l'équipe 21. C'est du Supercross, c'est de l'action, c'est de la bagarre, c'est du sport. Voilà Trey Canard, le meilleur pilote du jour, meilleur
temps lors des essais. On va prendre tout de suite son impression. On va écouter ce qu'il a à nous dire. Oh yeah, I need all that I can get. Hopefully we can get a good start like that in the main and try to get 15 laps in. Il va falloir continuer à faire de bons départs comme ça et enchaîner les tours à un bon rythme. Voilà, Trey Canard qui vient de faire une excellente série qualificative. Donc le top 4 qualifié directement. Voici le classement. Trey Canard, Will Hahn, Greg Aranda et Cédric Souveras. On retrouvera l'ensemble des autres pilotes dans une série de repêchage un petit peu plus tard dans notre soirée. Allez, on va revoir, Jean-Michel, les meilleurs moments de cette première série qualificative et l'excellent départ de Greg Aranda. Ouais, Greg était vraiment à l'intérieur, donc il est bien parti, mais Canard qui était bien placé, qui a bien géré la sortie du virage à l'accélération et qui s'est retrouvé de suite en tête. Il s'est mis à l'abri surtout des incidents derrière. Et ça, c'est important pour les pilotes américains. Ils ont vraiment envie de bien partir ici. Hein. Bah, c'est vrai que le départ fait quand même, j'ai envie de dire, 50% d'une course en Supercross. Hein. C'est primordial. C'est primordial et en même temps, c'est marrant parce que c'est souvent les pilotes les plus rapides qui partent devant, alors qu'on pourrait dire, on pourrait penser que les pilotes, tous les pilotes ont la même chance parce qu'ils sont sur la même ligne, mais on retrouve souvent dans l'ordre de rapidité, donc c'est très surprenant de voir ça. Bon, en même temps, on s'entraîne, hein, il faut le dire, on s'entraîne au départ. C'est déjà c'est une chose à laquelle on s'entraîne même à l'entraînement. Oui, et puis ici à Bercy aussi, la place sur la grille de départ est très importante. Quand on est situé vraiment à l'intérieur, il y a un réel avantage. Et ensuite, on a revu ce retour de Will Hahn. Will Hahn, il est champion des États-Unis Supercross, catégorie Lights sur la côte Est. Catégorie Lights, c'est la catégorie des 250 cm3. Mais ce soir, à Bercy, il a choisi de rouler en 450. Hein, puisqu'il faut le rappeler, à Bercy, c'est une course open. Voilà, une course où toutes les cylindrées sont mélangées. Et forcément, on essaie de choisir la cylindrée la plus puissante. Oui, et puis surtout qu'il va rouler dans la grosse cylindrée l'année prochaine en championnat américain de Supercross. Donc, il utilise cette course pour se préparer. Voilà, c'est un vrai test pour les Américains qui ont choisi de venir sur ce Supercross européen puisque c'est également le plus grand Supercross d'Europe. Oui, et puis les Américains, on voit les pilotes américains Honda qui sont venus vraiment avec leurs motos d'usine, c'est-à-dire les motos ont été envoyées des États-Unis, les motos complètes. Donc ils utilisent aussi cette course pour faire du testing, pour préparer leur saison, parce qu'il n'y a rien de mieux que de rouler en course pour tester une moto, parce qu'à l'entraînement, bon, c'est pas pareil, il n'y a pas les mêmes conditions, on est moins tendu sur la moto, donc forcément la moto réagit différemment. Et le team manager American Honda est là aussi ce soir pour surveiller tout ça. Donc ils viennent là, c'est un super cross à Paris, ils se font plaisir, mais ils commencent à préparer leur saison, donc ils ne sont pas là pour rigoler. Et ils ne le prennent pas à la légère, ce Supercross de Paris-Bercy, c'est sûr. 15 secondes avant la deuxième série qualificative, même format, et on retrouve de nouveaux pilotes, 10 pilotes derrière cette grille de départ, notamment Gauthier Paulin, Justin Barcia, Jordi Tixier également. Gauthier à l'intérieur, donc très bien placé, Barcia juste à côté. Oh, il part bien Gauthier, hein. Il part bien. Barcia intérieur, intelligent. Ouais, il s'est laissé peut-être un petit peu trop élargi là, un peu trop élargi sa trajectoire Gauthier Paulin. Et c'est Justin Barcia qui a pris la tête de cette course. Deuxième place pour Gauthier Paulin. Troisième position, c'est Andrew Short. Le trentenaire Andrew Short. Ouais, Andrew Short qui a gagné hein, plusieurs fois à Bercy déjà, je crois deux fois qu'il monte Bercy. Mais hier soir il n'était pas très à l'aide, on va voir ce soir si ça va mieux. Alors regardez derrière, c'est la bagarre entre deux petits jeunes, Jordi Tixier qui vient de bloc passer Cooper Webb. Jordi Tixier, hein, le pilote d'Île-de-France, vice-champion du monde de motocross. Il vient de prendre la quatrième et dernière place qualificative. C'est dire si elle est importante, cette quatrième place dans cette manche. Allez, devant Justin Barcia, qui essaye de distancer Gauthier Paulin. Alors, Jean-Michel, cette première série, c'est en même temps le premier test. Hein. On se jauge puisque Justin Barcia, il a été distancé par Gauthier Paulin cet après-midi lors des temps chrono. Ouais, mais honnêtement, sur un tour au chrono, ça ne veut pas dire grand-chose. On voit de suite qu'en course, il faut reproduire ce temps pendant beaucoup de tours et c'est pas du tout la même philosophie. Donc la hiérarchie est quand même toujours là. Allez, Justin Barcia en tête, Gauthier Paulin deuxième, troisième place Andrew Short, quatrième place Jordi Tixier. Attention tout de même au retour de ce jeune Américain pour sa première en Europe, sa première à Paris-Bercy. C'est Cooper Webb avec la Yamaha. Le leader, le voici, Justin Barcia. L'avantage déjà, il a dû faire une petite erreur, Gauthier. Attaqué maintenant par Andrew Short. Et la quatrième place pour Jordi Tixier. Ouais, il a fait une grosse erreur dans l'enchaînement. Il a fait court sur le deuxième triple. Et donc, ça l'a beaucoup gêné pour la suite de l'enchaînement.
Et c'est là où elle se fait la différence aussi entre les pilotes américains, c'est qu'ils sont tellement à l'aise à faire les chronos qu'ils arrivent à les reproduire à chaque tour sans faire de faute. Donc c'est pas facile de rester au contact et en plus de rester au contact toute la course. Je pense que tous les pilotes français étaient d'accord sur ce point-là. Ils s'en sont bien rendus compte au fur et à mesure des essais. Ils se sont dit, voilà, on peut, sur un tour, aller chercher les Américains. La chute là pour Jordi Tixier. Ah, c'est dommage, ça, parce que de suite, il sort de la qualification. Ouais, il va repartir aux alentours de la 6e position, Jordi. Oui, donc les Américains qui ont vraiment un rythme énorme pendant toute la course. Alors déjà, les subs, c'est difficile, mais alors pour aller les doubler, n'en parlons pas. Allez, on garde espoir en tout cas ce soir, puisque Gauthier, il est en train de reprendre ses marques. C'est vrai que si on reprend l'histoire de Gauthier Paulin, c'est un pilote à l'aise en supercross, même s'il n'en fait pas forcément beaucoup, mais il avait commencé par le BMX. Il aime ce type de discipline. Ouais, puis il a toujours été à l'aise en supercross, même s'il ne pratique pas beaucoup la discipline. On le voit hier, il n'a pas beaucoup d'entraînement et il arrive à suivre, il a un bon rythme. Là, on le voit, il est devant Andrew Short et il a même distancé. Donc, Andrew Short, il roule quand même toute l'année en championnat américain de supercross. Donc Gauthier, il est très surprenant ici. Et il peut encore nous créer la surprise, même face à Barcia et face à Cana. Il avait fait un hier soir sur une course à l'américaine. On verra ça un petit peu plus tard dans la suite de notre programme, où on aura pour ce Supercross de Paris-Bercy la Super Pole, les temps chrono, la course à l'américaine, la course à élimination. Et puis ce soir, à partir de 23h15, la grande finale du SX de Bercy avec les meilleurs pilotes rassemblés. Allez, il reste 3 tours encore. Cooper Webb ici, le jeune américain de 17 ans, pour sa première OPB. Il a la 4e place actuellement. Il est qualifié direct donc pour la finale. Un petit mot sur Cooper Webb, Jean-Michel. C'est un pilote qui arrive dans cette catégorie 250 cm3. Là, Bercy, il a choisi une 450 pour être à égalité de puissance avec les autres. Mais c'est un pilote qui s'est déjà illustré cette année avec un podium en championnat américain de motocross. Oui, il a fait de belles performances. Et là, on le voit quand même, je le trouve très à l'aise avec la grosse moto et la 450. C'est quand même pas facile ici à Bercy. Le circuit est très serré, il y a beaucoup d'ornières, il ne faut pas faire de fautes. Et il arrive à suivre, il roule bien, il ne fait pas trop de fautes. Et il me surprend vraiment, il a que 17 ans. 17 ans, et pour la petite anecdote, il a 105 titres amateurs aux États-Unis. Ça fait toujours impression de dire 105 titres, mais c'est comme ça aux États-Unis. Pour chaque catégorie, quasiment, à Loretta Lynn, c'est à chaque compétition que l'on fait, on gagne un titre. Ouais, c'est ça. Et puis la catégorie amateur aux États-Unis qui est hyper, hyper relevée. C'est-à-dire que les mecs qui gagnent en amateur, quand ils arrivent en pro, ils sont dessus dans le coup, quoi. Donc c'est vraiment un championnat incroyable. Donc c'est bon, on comprend bien tout de suite. Retrouver Cooper Webb au niveau des grands pilotes, c'est très compréhensible quand on prend justement ces résultats du championnat amateur américain. Un dernier tour pour Justin Barcia. Allez, le leader, il est en tête, Justin Barcia, avec déjà une avance considérable. La 2e place pour Gauthier Paulin, 3e place Andrew Short, 4e Cooper Webb, et derrière on retrouvera la 5e place. Il essaie de revenir Jordi Tixier, mais ça ne sera pas suffisant pour aller chercher la dernière place qualificative. On le retrouvera ensuite au repêchage avec Cyril Coulon, Jason Clermont, Loïc Rombo. Voilà les pilotes que l'on retrouvera tout à l'heure au repêchage. L'arrivée dans quelques instants du leader de cette 2e série qualificative. La victoire pour Justin Barcia avec le style, Jean-Michel. Ouais, Justin qui adore faire du spectacle, il adore Bercy. Gauthier Paulin qui fait 2e, donc qui a réussi à se mettre à l'abri dans Andrew Short assez facilement, donc belle performance. Voilà, 5 secondes 9 d'écart entre Barcia et Paulin. On comprend, petite erreur également de Gauthier, mais rien n'est perdu ce soir. Non, c'est pas si loin que ça, il va pouvoir se battre avec eux. Et Justin Barcia, qui avec ses excellents résultats, sa bonhomie, son sourire, a plu au public parisien. On l'a vu hier soir, il était ovationné par le POPB. Ouais, bah c'est tout ce qu'on aime chez les Américains, quoi. C'est un peu l'arrogance, la jeunesse, le fun, parce qu'il s'éclate à faire ce qu'il fait, il prend plaisir et honnêtement, ça fait plaisir à voir. Je les ai emmenés dans Paris faire du vélo, ça a été une session incroyable. J'ai eu cette petite anecdote, Jean-Michel, en parlant avec Justin. Je lui disais, mais qu'est-ce que t'as fait toute cette semaine à Paris? Mais il me dit, écoute, j'ai eu un guide exceptionnel. Et il m'a emmené avec moi, on a pris les vélos, c'était Jean-Michel Bayle. C'était comment ça? Qu'est-ce que tu leur as fait faire alors à ces Américains à Paris? On a fait les
les bords de la Seine jusqu'à la Tour Eiffel et forcément ils ont trouvé des spots où ils ont pu montrer leur dextérité au guidon de vélo. Donc voilà, ça a été assez chaud. Alors justement, on fait un petit point sur ce classement. Justin Barcia, Gauthier Paulin deuxième. On retrouve ensuite Andrew Short et Cooper Webb. Quatre pilotes qualifiés direct. On revoit les meilleurs moments de cette série-là avec un très bon départ de Justin Barcia. Et puis ensuite, il s'est échappé. Ça a été limite pour Gauthier qui s'est bien rattrapé. Ensuite, il a enchaîné avec des bons temps. Oui, parce qu'il a quand même perdu facilement une à deux secondes quand il a fait sa faute. Donc il finit pas très loin de... Là on voit la chute de Tissier. Voilà la chute qui lui fait perdre la quatrième et dernière place qualificative Jordi. Mais on le retrouvera dans cette soirée juste après pour le repêchage. Allez, voilà pour les meilleurs moments de cette deuxième série qualificative. On va repasser côté paddock avec Xavier qui est actuellement avec Greg Aranda. Et ça s'est bien passé pour Greg ce début de soirée. On a un pilote assez exceptionnel puisque lui aussi est champion du monde. On discute effectivement avec Greg Aranda dans deux secondes. On est dans son paddock. Il était en train justement de débriefer certainement cette première manche qui s'est plutôt bien passée. Ouais, ça a été bon départ. Je pars deuxième. Et puis après, je me fais doubler dans le dernier virage. Mais bon, c'est juste une qualif et il ne faut pas prendre de risque et finir dans les quatre pour aller en finale ce soir. Et vu que c'est tendu, pour finir dans les quatre quand même, donc pas de risque. Maintenant, la soirée commence maintenant. La soirée commence maintenant. Bon, il n'y a pas trop de dégâts non plus sur votre bel engin. Non, pas de dégâts, pas de chute, pas de dégâts, donc ça va le faire. J'entendais dans les commentaires Jean-Michel Bayle et Maxime qui disaient que ce qui était très très important sur des courses comme celle-ci, c'est le départ. Ouais, surtout ici qu'on repart à 180 degrés, donc il faut tout mettre dans le départ et partir devant, et après la course est faite à 60%. Bon, écoutez Greg, merci beaucoup d'être venu témoigner. On vous souhaite de prendre un bon départ, de partir dans les premiers pour finir le premier. Ouais, on va essayer, merci. Merci. Et voilà, donc c'était Greg Aranda qui gentiment nous a reçus dans son paddock et qui va pouvoir reprendre le débrief de sa course et puis très certainement se projeter sur celle à venir. Nous, on va se quitter quelques instants. Hein. Il va y avoir un petit break. On va repasser par Maxime, voilà, avant de repartir sur Paris. Voilà, la suite du programme. Allez, faites-nous rêver un petit peu, Maxime et Jean-Michel. Eh oui, ce n'est que le début de la soirée, Xavier, effectivement. Début de soirée déjà impressionnant avec des courses très disputées. On voit l'avantage est aux Américains. Hein. Justin Barcia, Trey Canard, ils sont là. Mais les Français, on peut compter sur eux. On aura Greg Aranda, on aura Gauthier Paulin. Jean-Michel, un petit mot sur ce début de soirée. Non, mais ça se présente bien parce que Gauthier est en forme. Il est vraiment pas loin des deux pilotes américains. Aranda a très bien roulé aussi. Souberas également. Donc, ça... Moi, j'attends la suite. On a une bonne équipe française, ça c'est sûr. Maintenant, la suite, ça va être un repêchage donc pour tous ces pilotes qui n'ont pas pu se qualifier directement. Et puis, la spécificité de Bercy, c'est également une super pole. On va déterminer qui est le pilote le plus rapide sur cette piste. On les enverra un par un. Ça sera la super pole. On la suivra en direct, bien sûr. Et puis, la course à l'américaine, qui est une course à l'élimination. Jean-Michel, ça c'est intéressant parce qu'il y a vraiment de la grosse bagarre. Hein. Ouais, il y a de la bagarre et en même temps, c'est assez stratégique parce qu'on élimine le dernier à chaque fois, ou les deux derniers, et donc devant c'est stratégique, il faut pas trop se donner au début et il faut garder de la pêche pour la fin. Alors si on a déjà 8 pilotes qualifiés direct pour la finale, et bien ces pilotes avec la course à l'américaine pourront ainsi déterminer qui choisira sa place sur la grille de la finale. Voilà le spectacle pour le Supercross, et puis il y aura du spectacle également derrière nous avec le Freestyle Motocross. On suivra deux sessions explosives avec Tom Pages, Takahi Gashino, médaillé d'or X Games. On aura également Edgar Toron Terras, la légende du freestyle ici en Europe. Donc on s'attend à un très très gros programme ici à Bercy. On est en direct toute la soirée avec vous. On va marquer pendant cette entracte une très courte pause avec les dernières infos sportives sur l'équipe 21. Et on reviendra ici avec Jean-Michel Bayle, avec Xavier dans les paddocks pour vous proposer le meilleur de ce Supercross de Paris-Bercy. Voilà, merci Jean-Michel pour ces premiers débuts de soirée. Et puis quant à nous, on marque une pause et on se retrouve juste après pour la suite de ce Supercross de Paris-Bercy. Nous sommes de retour au Supercross de Paris-Bercy pour la 31e édition du plus grand Supercross européen avec les stars internationales qui sont venues ici
Les Américains, bien évidemment, Justin Barcia, Trey Canard, qui se sont déjà imposés dans leur première série qualificative. Mais attention, attention aux Français, ils sont là. Valentin Théillé, notamment. Valentin à suivre hein, dans la prochaine série que nous allons avoir, le repêchage notamment, puisque déjà 4 pilotes, c'est-à-dire 8 pilotes au total, sont déjà qualifiés direct pour la finale. On a vu Greg Aranda, excellent, très rapide aujourd'hui. Et puis Gauthier Paulin, bien évidemment. Donc tous ces pilotes, on les retrouvera dans quelques secondes, bien sûr, pour la grande finale, mais avant, pour la Super Pole et la course à l'américaine, les spécificités du Supercross de Paris-Bercy. Quelques images du paddock, bien évidemment, puisque Bercy, il y a la course et il y a ce paddock ouvert également à de nombreuses personnes, et notamment notre envoyé spécial Xavier, qui est dans ce paddock. Que nous réservez-vous, Xavier, maintenant? Eh bien, Maxime, je suis en compagnie d'un garçon qui n'aura pas besoin aujourd'hui d'en passer par les repêchages. C'est Cédric Souberas, qui a terminé 4e de la première série. Cédric, merci beaucoup. Tout d'abord, félicitations. Ben, merci à vous. Bon, alors, j'ai compris un truc, c'est quand on est pilote qu'on est qualifié, après on se pose, on reste assis et on fait rien. Voilà, exactement. Quand on a la chance de se qualifier après les demi-finales, ben c'est un gros avantage par rapport aux autres riders. On peut se reposer un petit peu plus. Et alors on se repose, mais on discute aussi avec les techniciens, les tacticiens pour la suite. Oui, en effet, on essaie d'améliorer la moto à l'évolution de la piste. La piste se défonce petit à petit. La terre durcit, donc on essaie d'adapter notre position, la moto, et non, c'est très important aussi de débriefer avec toute l'équipe. Alors justement, tiens, cette moto là qui est devant nous, la vôtre, ben vous avez changé quoi? Qu'est-ce qui va changer par rapport à votre série et puis le tour suivant? Ben là, admettons, déjà on part d'une 14. Tiens, venez, montrez-nous. Il y a la caméra qui est là, montrez-nous ce que vous allez changer. Ben là, admettons, déjà on part sur une 450 CRF Honda de série, et puis bon, on a des suspensions qui sont faites par Reptile, Givilmain, un moteur. Qui là se rapproche du standard, qu'on évolue petit à petit. On travaille beaucoup sur nos amortisseurs, Fox, ainsi que la fourche, Reptile. On essaie d'assouplir, durcir et aussi d'adapter notre injection à l'évolution du terrain. On a une démultiplication qui change beaucoup avec la couronne et le pignon. Donc on essaie vraiment d'adapter à chaque série la moto pour vraiment rouler au mieux possible. Bon, et vous, l'organisme, vous avez personne qui s'occupe de votre dos, de vos épaules, parce que ça brasse un peu quand même hein, sur les bosses? Oui, ben. Pour une fois, j'ai mon kiné, donc Antoine qui est là avec moi, mon préparateur physique qui m'accompagne. Donc c'est vraiment deux personnes qui sont très importantes pour moi pendant un long week-end de 3 jours à Paris-Bercy. Donc oui, c'est très important d'être avec eux et très bien entouré. Donc là cette année, j'ai beaucoup de paramètres qui font que je me sens super bien. Et on va essayer de faire mieux qu'hier, donc avec une 7e place en finale, qui n'est pas décevante, mais qui me frustre un peu parce que je pensais faire mieux et j'aimerais bien accrocher un top 5 avant la fin du week-end. Eh bien Cédric, merci infiniment pour ce témoignage. Belle suite de compétition. Et puis on va retrouver tout de suite Maxime pour la suite et les repêchages. C'est ça dans quelques instants. Effectivement, alors si dans le paddock les pilotes sont actuellement en train de se relaxer, de se reposer avant d'enchaîner soit les repêchages soit les courses à l'américaine, eh bien il y en a d'autres qui ont mis de l'ambiance ici au POPB. Ce sont les freestylers freestyle motocross avec des pilotes de renom hein, Tom Pagès, Takai Gashino, ils sont tous là, et dans ce premier entracte ils nous sont arrivés comme ceci avec des whips. Là c'est la figure traditionnelle du freestyle motocross. Nous avons les images, regardez cette ambiance qu'il y a ce soir au POPB, c'est juste une folie. Plus de 11 000 personnes se sont rassemblées ici au Palais Omnisports de Paris-Bercy pour suivre la plus grande manifestation de Supercross, et ces premières images de freestyle étaient déjà époustouflantes. Alors on a commencé par des whips, la figure traditionnelle hein, où on met sa moto en travers. On verra deux séries en direct tout à l'heure, la série numéro 2, série numéro 3, avec du freestyle encore plus époustouflant. Voici notamment Jérémy Rouanet avec une première série de whips. On recevra également André Villa en whip no end ici. On aura également Edgar Toronteras, Takai Gashino ici à l'image. Voici Edgar Toronteras, la légende hein, du Supercross de Paris-Bercy. Souvenez-vous, en 1996, quand Edgar est arrivé, il était tout jeune, il dansait la Macarena, il avait fait lever le Palais Omnisports de Paris-Bercy. Et celui qui déchaîne les foules actuellement, c'est bien sûr Tom Pagès, numéro 1 mondial du freestyle motocross. Il est là ce soir et il nous réserve ses petites figures exceptionnel qu'il passe généralement sur les plus gros shows, sur les compétitions, et les a réservés ici pour le POPB, pour le Supercross de Paris-Bercy, parce que le Supercross de Paris-Bercy est également un show important dans l'histoire de Tom Pagès. C'est ici qu'il a commencé sur la scène internationale, Tom Pagès, et il a envie de vous montrer ce soir ses figures qu'il a sorties pendant toute cette saison. Regardez ces whips, ce chouchou en whip avec Edgar Toronteras et Tom Pagès, Takai Gashino qui a commencé à nous envoyer du holy grab ici.
Voilà, on retrouvera l'ensemble de ces riders freestyle motocross à partir de 22h20 ici au POPB, avec certainement les premiers backflips pour la session numéro 2 et la session numéro 3. On l'attend avec impatience, ça clôturera le show de ce Supercross de Paris-Bercy avec les plus grosses figures du moment. Voyez ce whip turn down où on met la moto à 180 degrés pour revenir ensuite sur la réception. C'est juste impressionnant, c'est une figure classique, mais une figure qui à chaque fois nous donne énormément d'émotion. Voilà, on a vu du rock solide juste derrière, hein. La figure où on va chercher les grabs à l'arrière de la moto et où on se désolidarise complètement. Et le premier backflip, c'est Taka qui nous l'a envoyé ce soir. Voilà, les rock solides où on lâche complètement la machine et le backflip clicker. Voilà pour le freestyle motocross, c'est ce à quoi on peut s'attendre dans les prochaines minutes. Mais avant, on retourne à l'action, on va retourner à la compétition avec le repêchage, puisque je vous l'ai dit, hein, on a eu deux séries qualificatives, quatre pilotes qualifiés dans chaque série. Le reste doit passer par ce repêchage. On va récupérer encore 4 pilotes dans le repêchage à venir pour qu'ils soient au final 12 dans la grande finale de notre soirée. Repêchage et puis ensuite course à l'américaine, Super Pole, c'est notre programme. Et voyez à Bercy, je vous l'ai dit, hein, c'est de l'ambiance, plus de 11 000 personnes ce soir. 31e édition et toujours un très très grand succès avec les pom-pom girls ici. C'est un show Bercy, hein. On le dit, 100% course, 100% freestyle, 200% show. Voilà le slogan. Et bien quand on y est ici au Supercross de Paris-Bercy, on la sent cette émotion, on le sent ce show, et on sent également, hein, l'émotion, la passion du public qui est présent, puisque ce samedi soir ici à Bercy, je peux vous le dire, c'est vraiment une émotion particulière, c'est une ambiance vraiment incroyable. Voilà, pour le show, ça continue, c'est reparti sur la piste avec la danse et les pom-pom girls. Quant à nous, dans quelques secondes, donc on va accueillir les pilotes pour le premier repêchage. C'est vrai, que peut-on retenir de ce début de soirée? C'est bien évidemment la domination, hein, des Américains. Trey Canard dans une série, Justin Barcia dans l'autre. Mais on peut rester également très confiant pour nos Français qui se rapprochent de plus en plus, hein, des temps de ces Américains. Et puis Bercy, c'est une épreuve particulière. On n'est pas là sur une journée, on n'est pas là sur une seule course. Bercy, c'est trois jours de compétition où les Européens, qui ont peut-être moins l'habitude de faire du Supercross, eh bien là, ont trois jours pour justement trouver les bons réglages. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, nos petits Français. Greg Aranda, Cédric Soubeyras également, et puis Gauthier Paulin, bien sûr. Gauthier Paulin, qui est l'un de nos pilotes star en championnat du monde de motocross, il est en train de mettre la barre très très haut là avec les Américains, et il commence peut-être à douter, les Américains, on va le voir, même si c'est difficile de les faire douter tellement ils sont sûrs dans leur discipline. Voilà, on verra ça un petit peu plus tard bien évidemment, puisque avant on aura ces courses à l'américaine, ces Super Pole avec les temps chrono. Voilà donc pour le début de notre Supercross de Paris-Bercy, qui sera, je vous le dis, en direct toute la soirée sur l'équipe 21. Alors, s'il y a le show sur la piste actuellement avec le public qui met une ambiance de folie, nous, on va pouvoir repasser côté paddock, puisque dans le paddock, les pilotes sont relax et Xavier est avec eux. Alors Xavier, on va passer avec vous maintenant. Comment ça se passe dans ce paddock? Voilà, suivez-moi un petit peu. Voilà, on va regarder le paddock déjà de Gauthier Paulin qui s'est qualifié tout à l'heure, hein, qui nous a parlé. Ben voilà, lui il est qualifié, donc derrière on peut se reposer un petit peu, se ressourcer. Alors, et puis vous allez voir aussi là, le public, hein, qui est entre les courses, vient voir un petit peu ce qui se passe, vient à côté de ces pilotes, regarder leurs engins, décortiquer, discuter. On sent que c'est vraiment une histoire de passionnés de sport mécanique que ce Supercross de Paris-Bercy. Là, on arrive sur le stand d'une légende, hein, 10 fois champion du monde, Stéphane Evers. On essaiera, hein, d'attraper le directeur sportif de cette écurie dans laquelle concourt une légende, Andrew Short, voilà, qui est en train pour l'instant de débriefer. Alors, avec Xavier, oui. Xavier, j'ai une petite anecdote justement sur Andrew Short, oui. Puisqu'il y a actuellement cette Joker Lane, cette nouvelle ligne, on en parlera un petit peu plus pour la finale. Et bien hier soir, c'est le seul pilote qui a oublié de passer par la Joker Lane, et forcément on a des secondes de pénalité, et Andrew Short, il en a fait les frais. Voilà pour la petite anecdote. Il a beau être quasiment le plus vieux ce soir, et bien oui, mais comme c'est tout nouveau, et c'est tout nouveau, et il a oublié cette Joker Lane. Il avait ses habitudes.
il avait ses habitudes, Andrew Short. Voilà, et là on arrive sur le stand Honda, hein, où on a discuté tout à l'heure avec Cédric Soubeyras. Et là vous voyez, ça se passe très très bien, parce que évidemment on est aussi aux côtés de Troy Canard, Will Hahn, enfin bref, tous ces grands champions qui sont qualifiés tranquillement et qui donc là sont en train de récupérer gentiment. Voilà donc ce petit tour de paddock dans lequel on se promène, qui s'est vidé un petit peu parce que bien évidemment le public pendant cette pause est reparti dans l'enceinte du Palais Omnisports de Paris-Bercy pour assister à ces repêchages qui vont démarrer dans quelques instants, puisque me semble-t-il les pilotes commencent à se préparer. Exactement, c'est la mise en grille actuellement des pilotes pour le repêchage. On reviendra avec vous, Xavier, tout au long de cette soirée dans le paddock pour nous donner les petites infos croustillantes, pour avoir les réactions de ces pilotes justement ici pour ce Supercross de Paris-Bercy. Voilà, le repêchage dans quelques secondes maintenant. On voit Valentin Tellier ici, Jordi Tixier qui doit passer par ce repêchage, et Fabien Izoard à l'intérieur, la position certainement la meilleure actuellement sur cette grille de départ du Supercross de Paris-Bercy. Fabien Izoard, il a l'expérience, il a l'habitude de ce Supercross de Paris-Bercy. Double champion d'Europe de Supercross, il est là, attention. Et puis cette grille de départ ne permet pas à tous les pilotes d'être en première ligne, donc on a donc une deuxième ligne ici. On voit Charles Lefrançois qui doit se positionner en deuxième ligne. C'est pas forcément le mieux, mais ils choisissent d'être à l'intérieur, puisque généralement ce sont ces pilotes à l'intérieur qui partent le mieux. Voilà, Fabien Izoard, Jordi Tixier, Valentin Tellier, Cyril Coulon, Matteo Bonini, le top 5 de cette starting list dans quelques instants pour le repêchage, où on va réussir à prendre 4 pilotes supplémentaires pour la finale. Allez, on voit ici l'image de Fabien Izoard avec le team SR Connexion Verte, et Jean-Michel Baille qui vient de me rejoindre pour reprendre le commentaire de ce repêchage. 15 secondes. Allez Jean-Michel, c'est une étape importante pour tous ces pilotes, puisque c'est leur dernière chance d'accéder à la finale. Maintenant, 4 pilotes seront qualifiés. Ah oui, c'est la dernière chance là, pour participer au programme final. Tissier qui doit vraiment, qui était qualifié presque tout à l'heure et à cause de sa chute n'a pas pu se qualifier. Donc là, il faut vraiment qu'il arrive à gagner cette course, du moins le faire dans les 4 premiers, mais au minimum la gagner pour pouvoir au moins se positionner correctement sur la grille de départ tout à l'heure. Effectivement. Allez, Jordi Tixier qui vient de faire le meilleur départ derrière lui, c'est Fabien Izoard. Valentin Tellier à la 3e place. Et Matteo Bonini, lui, à la 4e place. Pour l'instant, le top 4. Avec Jordi Tixier qui a pris un réel avantage. Et l'attaque de Valentin Tellier à l'intérieur. Ça ne passe pas, toujours 3e, Valentin. Alors ce qu'il faut savoir, Jean-Michel, c'est qu'aujourd'hui, Jordi Tixier pilote une 350 cm3. On a l'habitude de le voir évoluer en championnat du monde de motocross MX2. C'est en 250 cm3, la plus petite cylindrée. Et bien là, on le voit en 350. Il a choisi cette machine un petit peu intermédiaire. On l'a que chez KTM, cette machine. Oui, c'est ça. C'est que KTM qui produit cette machine. C'est un bon choix pour lui parce qu'il est habitué à la 250. C'est quasiment le même châssis, sauf que le moteur est un peu plus puissant. Et ça n'a pas l'inertie d'une 450. Donc pour lui, ça, je pense que ça lui convient très bien. Allez, Valentin Tellier ici, le seul pilote de 250 cm3 ce soir. Devant lui, on a Fabien Izoard. Alors, Valentin Tellier, eh bien, il y a toute une histoire également pour lui, puisqu'il va partir aux États-Unis avec son équipe Bud Racing pour l'ouverture et le championnat américain de Supercross de la côte ouest. Ouais, là, ça va pas être facile, hein, parce que déjà aux États-Unis, entre la côte ouest et la côte est, il y a déjà un gros écart de niveau. La côte ouest, c'est le plus dur. Après, la catégorie light aux États-Unis, c'est vraiment entre la 7e et la 15e place, c'est vraiment la folie. C'est la folie parce que c'est l'accès aux bonnes motos, c'est l'accès aux contrats. Donc les pilotes sont vraiment, donnent tout, et c'est vraiment difficile de rouler dans ces catégories. Voilà, c'est une nouvelle aventure pour Valentin Tellier, donc qu'il débutera au mois de janvier prochain à Anaheim en Californie avec toute son équipe Bud Racing qui va l'accompagner là-bas. C'est très courageux, c'est fabuleux parce que c'est bien, il va pouvoir voir au moins ce que c'est et puis après se préparer en conséquence, et je pense que ça lui fera une expérience vraiment, vraiment énorme pour sa saison. Allez, Valentin Tellier à la 3e place actuellement derrière Jordi Tixier et Fabien Izoard. La 4e place, le dernier qualifié, c'est Matteo Bonini, l'Italien. Non, c'est pas passé loin là, entre les deux pilotes, entre Izoard et Tixier.
Et Jordi Tixi qui a réussi à prendre une petite marge d'avance. Regardez, à chaque fois, hein, Valentin qui va chercher cette ligne intérieure. Et il reste deux tours encore. Alors on vous parlait beaucoup de cette Joker Lane depuis le début de soirée. Elle n'est utilisée qu'en finale, hein, cette Joker Lane. Ouais, et puis hier on a quand même encore des pilotes dans cette Joker Lane qui l'ont oublié, qui l'ont pas fait. Donc c'est pas facile de faire une course et de se déconcentrer pour aller chercher une trajectoire qu'on sait qu'on doit prendre, mais en fait c'est pas naturel. Quoi. C'est récent, hein, la Joker Lane. Ça a été fait à Las Vegas il y a un mois et demi. Et donc les pilotes ne sont pas encore habitués, c'est nouveau. Voilà, c'est une habitude à prendre en quelque sorte, même si on ne la retrouvera pas sur toutes les courses. Hein. C'est des essais. La course de Las Vegas, hein, la Monster Cup, est un laboratoire d'essais un peu pour le Supercross avec différentes choses qui sont testées, que ce soit pour le format des courses ou également sur la piste, le format des circuits. Et bien là, on l'a testé à Bercy également cette année, c'est une première. Allez, on voit Matteo Bonini inquiété par Loïc Rombaud. Là, c'est la dernière place qualificative. Loïc Rombaud dans la roue de l'Italien Matteo Bonini. Allez Loïc, le pilote Honda numéro 519, un pilote que l'on connaît bien en championnat de France, en championnat de France de Supercross également. C'est le dernier tour là, dernier tour. Allez, l'arrivée au prochain passage. Là, il tente tout, hein, dans la série de Woops. L'arrivée, la victoire pour Jordi Tixier, deuxième place. Fabien Izouard, troisième. On va retrouver Valentin Tellier, quatrième finalement, Matteo Bonini. C'était dur, hein, Jean-Michel, d'aller chercher cette quatrième place dans le dernier tour. Ah ouais, il fallait vraiment aller chercher. En même temps, les pilotes ont le même rythme là dans cette course-là et ils ont tous envie de se qualifier. Donc il faut vraiment tenter quelque chose. Quoi. Si on se contente de suivre, ça ne suffit pas. Jordi Tixier ici à l'image qui vient de se qualifier donc pour la finale. Ils étaient 4 à pouvoir décrocher l'ultime ticket pour la finale. Jordi Tixier, Fabien Izouard, Valentin Tellier et Matteo Bonini. Et bien ces pilotes, on va les retrouver également dans quelques instants pour la Super Pole, qui est également une nouveauté à Bercy. On écoute Jordi tout de suite. La lâche tienne, c'est quelque chose que je déteste parce que bah, comme son nom l'indique, c'est la dernière chance. Donc j'y prends mon départ, c'est sûr que j'ai pris un peu d'expérience pour la Super Pole. Donc j'espère que le public va être chaud et on va tout donner. En tout cas, vous êtes bien pour le moment. On sent que vous êtes plus précis, plus relâché. C'est normal, hein, les soirées succèdent et c'est le cas de tous les pilotes. On est toujours mieux en deuxième soirée. C'est sûr, là je me sens de mieux en mieux avec la 3,5. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup d'entraînement avec cette moto. Et hier c'était déjà une bonne soirée. Là je me sens de mieux en mieux sur la piste. Le public est vraiment extraordinaire. Il y a beaucoup d'amis, beaucoup de fans qui sont là et je les remercie. J'espère que je leur fais plaisir. Vous avez compris voilà, Jordi Tixier, le pilote d'Île-de-France, il le dit, c'est vrai, j'ai beaucoup de familles, d'amis, de fans qui sont là. C'est ce rendez-vous parisien, Jean-Michel, c'est également un rendez-vous important pour les pilotes parce que quand on est dans le cas de Jordi, qu'on fait le championnat du monde, on est dans de nombreux pays toute l'année, hein, voire même certains vont rouler aux États-Unis pour certains d'entre eux. Et quand on vient à Paris, eh bien là c'est un rendez-vous avec les fans, c'est pareil pour vous. Ouais, ben pour un Français, Bercy c'est quand même une étape importante, hein. C'est une étape on va dire obligatoire et importante. Et c'est l'endroit où on peut vraiment se montrer, s'afficher. C'est un peu le résultat d'une saison complète qu'on affiche là, sa progression. Donc c'est vrai, c'est une ambiance assez spéciale et c'est pas facile de pouvoir justement rouler à son niveau dans ces conditions, c'est-à-dire les conditions de la présence des amis, de la famille, de tout ça. On a l'habitude d'être loin, d'être isolé et là on se retrouve un peu face à tout le monde dans une enceinte qui est quand même petite ici. Donc on se sent très regardé en fait et c'est pas facile d'arriver à rouler à son niveau. Alors il y a quelque chose Jean-Michel que l'on ne retrouve nulle part ailleurs et on le disait, c'était cette ambiance. On l'a vu à l'entracte, hein, on l'a vu pendant cette pause, l'ambiance, le public qui est là, plus de 11 000 personnes, mais l'ambiance quand on est pilote, qu'on arrive des coursives et qu'on rentre dans ce chaudron parisien, ça c'est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel parce que en fait ici c'est le seul endroit au monde, parce que j'ai couru dans tous les stades dans le monde entier, c'est le seul endroit où on entend le public même sur la moto, même avec le bruit du moteur. Et je me souviendrai toujours une course que j'ai gagnée ici, je remontais sur Jeff Ward et en fait Jeff Ward connaissait mon écart parce qu'il entendait le public qui criait quand je sortais des coursives et à chaque fois ça se rapprochait sur le circuit et donc il m'a dit mais je savais que tu revenais parce que je l'entendais. Donc c'est vraiment le seul endroit où on entend le public comme ça. Et là je pense que les jeunes pilotes, même les jeunes pilotes vont vivre quelque chose d'exceptionnel ce soir. Alors Jean-Michel, on va passer maintenant à la Super Pole.
Qu'est-ce que c'est la Super Pole? C'est tout simplement le tour le plus rapide en piste. Ouais, et puis c'est sur un tour. Alors d'habitude, les essais, on a le meilleur temps, mais on a un quart d'heure pour le faire. On a un quart d'heure d'essai, donc on choisit le moment où on est bien chaud, le moment où on se sent prêt. On peut faire une tentative, on peut se rater, on peut dire bon, mais je refais plus tard. Là, c'est un seul tour chrono. On est regardé, donc la moindre faute, ben, c'est fini. Et donc voilà, alors il faut attaquer parce que c'est qu'un tour, et en même temps, il faut rester sur ses roues parce que sinon, c'est de suite un mauvais résultat. Voilà, donc, un exercice pas facile. Ils n'ont qu'une seule chance, et on va débuter avec Matteo Bonini, hein, qui était le dernier pilote qualifié. On va prendre l'inverse du classement, tout simplement, pour découvrir l'ensemble de ces pilotes. Ils sont 12 dans cette Super Pole. Le but, réaliser le meilleur temps sur cette piste du Palais Omnisports de Paris-Bercy. Oui, on voit vraiment dans cette course la valeur des pilotes, mais également leur capacité à gérer un tour rapide en course. Il y en a beaucoup qui confondent un peu vitesse et précipitation, un peu n'importe quoi, et souvent ça ne paye pas. Allez, c'est parti avec Matteo Bonini, le pilote Kawasaki. On arrive sur une première série avec le grand triple de retour à Bercy. Donc là, ils vont chercher la corde pour essayer de faire le moins de chemin possible. L'enchaînement, là, il est réussi. Il s'est raté un peu, là, il n'a pas pu sauter le triple derrière, le dernier triple. On arrive dans les coursives du Palais Omnisports de Paris-Bercy. Est-ce qu'il y a une spécificité quand on est pilote sur ces coursives? On voit qu'on prend énormément de vitesse là. Et ce virage n'est pas si simple, hein, puisqu'on doit filer avec ces quatre petites bosses. Oui, on prend quand même pas mal de vitesse dans cette ligne droite là-bas derrière. On prend quasiment 90 km/h. Ils ont rajouté quatre bosses qui sont très longues, très espacées. Je pensais que ça pouvait sauter quatre. On en a parlé avec Cédric Souberas. Mais je crois qu'il a tenté une fois cet après-midi, mais il n'a pas réussi vraiment à tourner dans le virage. Donc non, c'est pas facile les coursives là-bas. Alors le temps. Alors c'était le premier temps pour Matteo Bonini. Allez, enregistré. Bon, il n'y avait pas de temps de référence, donc forcément c'est lui qui a le meilleur temps. Allez, en 42.5 le temps de Matteo Bonini. C'est pas mal, 42.5. Voilà, le temps le plus rapide, hein, cet après-midi était dans les 40 secondes pour Craig Canard. On va voir ce que nous fait Fabien Izoard, double champion d'Europe de Supercross. Un pilote bien connu, hein, Fabien Izoard, dans le monde du Supercross, deux fois champion d'Europe. Donc, il a gagné le SX Tour en 2009, 2010, 2011. Là, sur le... On dirait... Allez, l'attaque du pilote du team SR. Team Suzuki Connexion Verte. Le meilleur temps, 42.5. Il est plus rapide, hein, Fabien Izoard. Il est plus rapide. Ah oui, un gros écart, hein. Quasiment 6 dixièmes, 7 dixièmes, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup en Supercross. Allez, 41.8 devient le nouveau temps de référence, et il est signé Fabien Izoard. Allez, le jeune américain, Cooper Webb. Ah là, ça peut aller très vite. Alors là, ce passage-là est quasiment identique, hein, pour l'ensemble des pilotes. C'est derrière que ça peut changer. Ah là, il a bien tourné à l'intérieur, c'est le premier que je vois vraiment à l'intérieur. Triple et quadruple derrière. Ouais, c'est pas mal là pour le moment. Ouais, c'est quasiment le même temps que Fabien Izoard. 8 millièmes d'écart, hein, seulement. Ouais, 17 ans seulement. Ah, c'est pas très vite là, c'est vraiment pas très vite. La fin des hoops, c'était vraiment pas mal. Et non, ça va pas suffire. Ah, un bon temps de Fabien Izoard, hein. Bon temps. Ouais, 4 dixièmes de moins, hein, pour Cooper Webb, pas assez rapide. Cooper Webb que l'on retrouvera en Supercross américain et motocross la saison prochaine. Voici Valentin Teillet maintenant. Pilote Kawasaki Bud Racing. Avec la 250. Sur un tour, ça peut le faire la 250, hein, parce que c'est une moto qui est plus légère, qui a moins d'inertie. Il peut se permettre de prendre plus de risques, on le voit dans les virages. Ça peut aller très vite. Et on l'entend, hein, soutenu par le public. Et il est pas loin, il est pas loin. 9 centièmes, c'est très peu au niveau d'écart du premier intermédiaire. Allez, il doit jouer dans les hoops. Le problème avec la 250, c'est les hoops. Parce qu'on n'a pas assez de puissance moteur pour rester sur les crêtes. Allez, là, ça va être important pour lui. Pour le moment, c'est parfait. Oh, c'est pas mal quand même. Même si à la fin, la moto a ralenti. C'est pas meilleur. Et le temps de Valentin Teillet, 42. 42, mal, hein. Un dixième. Hein, un dixième, c'est pas mal avec une 250. Il est content. Surtout qu'à la fin, les hoops, on a vu la moto a ralenti dans tous les hoops. Il a perdu de la vitesse tout le long, alors qu'avec une grosse moto, il n'aurait jamais perdu cette vitesse.
Voilà, le but hein, dans les whoops, Jean-Michel, c'est de les dribbler. Donc c'est d'arriver déjà avec une forte vitesse. Ouais, c'est de les dribbler et surtout d'essayer d'alléger la moto pour qu'elle prenne de plus en plus de vitesse. Et avec un petit moteur, c'est quasiment impossible. Allez, Andrew Short maintenant, le pilote KTM. Un pilote américain qui a beaucoup d'expérience, Andrew Short. Il a gagné Bercy à deux reprises, hein, Jean-Michel. Ouais, c'est un pilote très régulier, très solide. Il a souvent été dans des super teams aux États-Unis parce que justement, il est régulier, il fait des bons testings. C'est un sérieux, en fait, on peut compter sur lui. Hein. C'est un sérieux, c'est un garçon très sympathique également, qui a toujours le sourire, toujours très sympa, toujours ouvert. Allez, Andrew Short, le temps de l'américain. Meilleur temps. Ouais, c'est solide Andrew Short, hein. c'est pas extraordinaire, mais ça va vite. Allez Andrew Short, on est à 41.6 pour le pilote américain. Ah, Cédric. Faut que tu saisisses ta chance. Nous montrer que t'es dans le coup. Cédric Souveras, c'est le leader du championnat Essex Tour, le meilleur représentant français du Supercross en Europe. Il peut aller vite hein, sur une tour Cédric. Techniquement, il n'y a rien à dire. Après, il ne faut pas faire de faute. Là, il était un peu arrêté dans ce virage-là. Allez, l'enchaînement ici, ça passe sans souci. On va voir au niveau du premier intermédiaire, il est en retard de 2 dixièmes quand même. Il y a beaucoup de fautes, des petites fautes, mais dans les virages, il n'est pas assez vite, pas assez de vitesse. Dans le virage juste avant l'enchaînement, là où il a perdu un petit peu de temps, l'arrivée dans les whoops maintenant. Ah, les whoops, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Il peut refaire son chrono, le saut. Ah, ça suffira pas 4 dixièmes. Quatrième temps pour Cédric Souveras. Voilà, quatrième derrière. Donc on a Andrew Short, Fabien Isoard deuxième, Valentin Théier troisième et Cédric Souveras à la quatrième place. Ah, la 350. La 350. On va voir ce que ça va donner. Allez, on va passer à Jordi Tixier maintenant. Le septième pilote à s'élancer. Ils seront 12 au total. Et on est en train de jouer à la Super Pole, hein, c'est-à-dire le meilleur tour en piste qui sera récompensé. Allez, c'est parti. Pas mal pour le moment. L'enchaînement ici, c'est difficile de faire des écarts. Il a bien géré le saut sur le triple saut. Il n'est pas monté haut. L'extérieur, beaucoup de vitesse là, beaucoup de vitesse, c'est pas mal. Ah, ça doit pas être mal. Exactement, il est en tête au premier intermédiaire, Jordi Tixier. Oh là, ça sort fort là-bas. Maintenant, il faut que ça aille au bout. C'est pas mal, les whoops. Allez, les whoops. Et l'accueil du public français est incroyable. Petite erreur, là. Grosse faute, ouais. Il aura été au bout, il aura tout donné, Jordi. Il signe le meilleur temps avec 3 dixièmes d'avance. Excellent. C'est là où on voit la détermination de Jordi, puisque vu comme il était parti dans les whoops, hein, c'était très difficile à récupérer et il s'est donné à fond jusqu'au bout. Mais on voit que c'est un pilote de motocross, hein, parce que l'attaque qu'il avait dans les virages, dans les enchaînements, là on le voit, il se rate vraiment dans les whoops, il a la moto qui décolle. Bon, il s'en sort bien, mais il fait les temps dans les virages, il a vraiment bien géré son tour. Allez, on va voir maintenant avec une autre référence, hein, c'est le champion des États-Unis de Supercross dans la catégorie Light, Will Hahn. Ah, il fait ses premiers tours de roue hein, dans la catégorie 450 cm3. Le test grandeur nature hein, pour ces pilotes américains. Ah, ça roule pas mal là, ça va vite. Hein. C'est propre. Ah, il est plus propre. Il est plus vite avec un dixième d'avance au premier intermédiaire. Will Hahn, actuellement le plus rapide. Allez, la rentrée dans les hoops. Ah, c'est là que ça se joue le temps. Oh, belle rentrée Jean Wheeling. Ouais, c'est vraiment pas mal. Là, ça va aller devant. Le saut. Et non, un dixième de perdu. Jordi Tixier a toujours le meilleur temps dans cette Super Pole. Il a vraiment fait une belle performance. Excellent. Incroyable. Jean-Michel, regardez qui arrive. Regardez qui arrive. La star. Justin Barcia, hier c'est lui qui a signé cette Super Pole. C'était lui le plus rapide, c'est parti pour Justin Barcia. Là il va y avoir de l'attaque. Là c'est pas en finesse. Hein. Il est incroyable Justin Barcia.
il a cette fougue caractéristique, mais c'est ce qu'on aime chez lui également. Ça peut l'emmener dans le bon comme dans le mauvais, mais là déjà deux dixièmes d'avance. Deux dixièmes et demi d'avance. Il en faut aller au bout. Intérieur ici, c'est un peu bloqué. Mais il n'a pas perdu beaucoup de temps. Hein, parce qu'il avait la bonne ligne. Allez les hoops, c'est très bon également. Oh, des sauts impressionnants, hein, Justin Barcia ici. Eh oui, c'est mis au 5 dixièmes gagné. 5 dixièmes gagné par Justin Barcia, numéro 1 pour l'instant. Heureusement qu'il se bloque dans le virage là-bas, qu'il en laisse un ou deux là-bas. Regardez, on va revoir justement cette erreur. Il se bloque un peu dans l'ornière, voilà, la roue arrière. Heureusement, il est bien placé, donc il peut bien accélérer à la sortie. J'ai envie de dire, il y a encore de l'espoir pour les autres finalement. Ouais, mais il est allé vite hein, sur les whoops et sur la fin, il est allé très vite. Hein. Il a vu qu'il avait fait une erreur. Hein, donc, 40 secondes, Jean-Michel, 40 secondes, point 7. C'est vite. Hein. Voici le classement pour l'instant de cette Super Pole. Justin Barcia, Jordi Tixier, Will Hahn, Andrew Short, Fabien Izouard 5e, Valentin Tellier 6e, Cédric Soubera 7e. Attention à Greg Aranda. Attention, parce que là il y a un spécialiste. Hein. Exactement. Et quand on dit spécialiste, c'est pas pour rien, puisque Greg Aranda a déjà réalisé deux Super Poles en 2010, deux Super Poles en 2011. Blessé légèrement au genou en 2012, il n'avait pas pu montrer son talent. Mais là, c'est l'un des experts des temps chrono. Ah, ça peut aller vite. Hein. Attention, deux dixièmes de retard quand même hein, sur le premier intermédiaire. Là, il fait 3 et 1 extérieur, c'est pas mal, mais il va falloir sortir des hoops de folie là. Alors, une petite erreur, mais il a, mais il a pas perdu ouais. Beaucoup de temps. Bon, les hoops, c'est... Ah, c'est... il y a trop d'attaques, c'est pas assez précis là. Il était gourmand, mais ça ne suffira pas, ça suffira pour faire le deuxième temps pour l'instant quand même. Pas mal quand même, hein. Pas mal. Ça reste un très très bon temps, mais Justin Barcia reste le leader de cette Super Pole. Il a eu peur, Justin, un peu là quand même, quand il a vu arriver. Bah, l'écart n'est pas énorme hein, finalement, non, il perd 2 dixièmes. Et il perd du temps dans les hoops. Hein. Il avait déjà 2 dixièmes de retard au premier intermédiaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas perdu de temps dans la suite. Il a perdu sur la dernière portion. Ah, Gauthier Pollen qui se prépare. Avec le style, hein. Greg Aranda, excellent, superbe image. Et on retrouve le capitaine de l'équipe de France, le leader français, celui qui a réalisé le meilleur résultat à podium hier lors de la première journée de ce Supercross de Paris-Bercy. C'est parti. Ouais. 40 secondes, point 7 à battre. C'est le temps de Justin Barcia. Pour le moment, pas de soucis. Un petit peu lent à cet endroit-là. Allez, même système dans cet enchaînement pour Gauthier. Ouais, presque 2 dixièmes de retard. Mais c'est là, hein, il est là. Hein. Allez, les deux petits dixièmes, ils peuvent être rattrapés ici. Hein. Ouais, mais surtout dans les hoops. Il évite dans les hoops, Gauthier. C'est propre, c'est ouais, très c'est propre. Vite, très vite, très vite. Allez, le très grand saut ici. Gauthier Paulin. Meilleur temps pour Gauthier Pollin, 14 millièmes d'écart. Et oui, cette petite erreur hein, de Justin Barcia, il l'a payé. Ah ouais, c'est là, elle est là. Et dans cette dernière partie du circuit, Gauthier a saisi sa chance. Mais il reste un pilote. Un pilote dans cette Super Pole. Est-ce que Trey Canard, le plus rapide des essais cet après-midi, est-ce qu'il va l'être encore une fois dans cette Super Pole? Eh bien, découvrons tout de suite son tour. Trey Canard, c'est parti. Petite faute ici à la sortie du virage, mais il n'a pas perdu beaucoup de temps. Trey Canard, 6e du championnat américain de Supercross, 4e du championnat de motocross cette saison. Ancien champion en light. Il est à 2 dixièmes. Alors c'est vrai que c'est 2 petits dixièmes. Hein. Gauthier les avait, les autres pilotes les avaient, Greg Aranda également. Il a pris l'intérieur, il a bien négocié. Hein. Je pense que là, il a gagné du temps. Les hoops, il est parfait. 40 secondes, point 7 à battre. Trey Canard, 40.8. Troisième temps pour Trey Canard. Le pilote Gauthier. Qui s'impose, c'est Gauthier. C'est Gauthier Pollin ce soir. Eh bien, ça commence très bien. Ça commence très bien, j'ai envie de dire, pour le Supercross français, puisque c'est Gauthier qui s'impose pour cette Super Pole. C'est la première grosse confrontation de notre soirée. Elle est remportée par Gauthier Pollin.
On revoit à l'intérieur et les derniers passages de Trey Canard. Ici, la série de hoops qui était parfaite également. Mais Gauthier a été juste excellent dans cette série de hoops. La même discipline. Et là, impressionnant en tout cas. Bien, Gauthier remporte cette super pole. Maintenant, on attendra la finale hein, tout à l'heure. La course à l'américaine également. Mais déjà un premier bon point. Et un bon point pour le moral. La course à l'américaine, c'est maintenant, n'importe comment. Allez, 40 secondes, point 7. Derrière lui, il y a 14 millièmes seulement. Hein. Justin Barcia, Trey Canard était à 7 centièmes. C'était très, très serré. Et puis Greg Aranda, 4e. Jordi Tixier, 5e. Ils sont bien, les Français. Regardez, le pilote qui est à 1 seconde, il est 8e. Les 8 premiers sont dans la même serré, seconde. C'est très serré, c'est proche. C'est encourageant quand même pour les pilotes français. On voit que n'importe comment... Ils ont la technique, maintenant il leur faudrait rouler un peu plus en supercross à haut niveau, mais quand il y a moins d'une seconde, ça veut dire qu'on s'est déjà piloté, hein. Ça veut dire qu'on s'est roulé. Hein. Alors maintenant, il va falloir tenir ce rythme sur l'ensemble d'une course, c'est ça qui va être important, c'est ça qu'il va falloir gérer. Voilà, hein. Gauthier Paulin récompensé donc par Bud Racing, on a vu Stéphane Dassé remettre cette récompense à Gauthier. On revoit quelques images. Il est allé chercher l'extérieur ici pour garder de la vitesse. Alors que les deux pilotes américains, que ce soit Barcia ou Canard, ont fait l'intérieur à cet endroit-là. Un très beau pilotage, debout sur l'air pied hein, dans le virage. Alors on voit cette partie sable, Jean-Michel, juste avant les whoops. Finalement, les pilotes sautent quasiment au-dessus. Hein. Oui, ils sautent au-dessus, mais ça les embête un peu parce que normalement, les whoops, on aime bien arriver avec beaucoup de vitesse et on aime bien arriver à plat. Et là, ça perturbe pas mal la préparation des hoops. Donc, c'est intéressant de l'avoir mis là, le sable. On a l'impression qu'il sert à rien, mais en fait, il gêne beaucoup. Justin Barcia, deuxième de cette Super Pole. Il garde le sourire parce qu'il le sait. Hein, derrière, c'est la course. C'est ce qui l'intéresse aussi. Ah, ce bloc-là, là, voilà. Là, il, voilà. Voilà l'erreur de Justin. Et ce saut, hein, ce saut énorme, hein, Jean-Michel, qui plaît, qui déplaît à certains. Voilà, c'est une difficulté du Supercross, ce pain de sucre. Certains l'appellent la partie vintage. Ouais, non, le saut n'est pas vraiment super intéressant en lui-même. En même temps, il perturbe la préparation du saut d'arrivée. Et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi. Et bon, c'est sûr que ben, bon, la piste est la même pour tout le monde, donc ils n'ont qu'à s'adapter. Et différents choix, hein, comme on l'a dit. Certains épousent la forme du saut, certains sautent cette bosse. Là. Voilà, différentes possibilités en tout cas. Un beau travail encore une fois hein, fait par l'équipe de Jean-Luc Fouché, JLFO, qui œuvre sur ce Supercross de Paris-Bercy depuis le début, depuis de nombreuses années. Ils sont là et ils offrent de nouvelles pistes chaque saison. Voilà, parce que c'est vrai que si le Supercross de Bercy est là tous les ans, la piste elle change tous les ans. Ça, il faut le savoir. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce qu'il y a eu beaucoup d'éditions et pour pas se répéter, c'est dur. Donc, un beau boulot pour la piste. Allez, course à l'américaine maintenant, Jean-Michel. On va expliquer le principe. Hein. Ils partent à 8. On enlèvera 3 pilotes à l'issue des 3 tours. C'est une course à élimination. Et ensuite, ce soir, on retrouvera 3 pilotes pour la dernière partie. Hein. Voilà. Ouais, parce qu'hier, on n'en a retrouvé que 2. Hein. Voilà, ce soir, on aura 3 pilotes pour la dernière partie. Allez, 15 secondes. Ils sont 8 sur la grille. Les 3 derniers seront éliminés. On fera une deuxième session avec 5 pilotes et une autre session avec 3 pilotes. 3 courses à venir. Trois courses qui s'enchaînent très rapidement. Les meilleurs pilotes, ceux qui se sont qualifiés dès les séries tout à l'heure, sont là derrière cette grille de départ. Trey Canard à l'intérieur, Justin Barcia à ses côtés, Gauthier Paulin, il est bien parti Gauthier. Ouais, mais il va s'écarter, il est Barcia à l'écart. C'est bien vu de Barcia, c'est bien vu. Et Gauthier Paulin est dans les 3 derniers pour l'instant, il serait éliminé. Attention, très bon départ de Greg Aranda. Et Trey Canard est en tête. Ah, les Américains, ils réfléchissent. C'est pas anodin. Barcia, il est allé pousser Gauthier parce qu'il sait qu'il fallait le gêner, parce qu'il a vu qu'il était très rapide. Donc, Trey Canard est en tête. Deuxième place, Greg Aranda, qui est en train de menacer Trey Canard. Ensuite, on a Whelan, Justin Barcia, Cédric Soubéras, Gauthier Paulin, attaqué par Andrew Short maintenant, Gauthier. Il perd encore une place. Ah, il a été déconcentré là, Gauthier, dans ce départ. Et il faut le rappeler, hein, il y a seulement 3 tours dans ces courses à l'américaine. Il faut aller vite, très très vite. Ça va être dur. Barcia, il a joué fait là, quand même. Il a vu, il a fait exprès d'aller le pousser là-bas au fond. C'était gentil, c'était bien fait. C'était gentil parce qu'il n'a pas touché, mais il a amené à l'extérieur et il lui a fait faire un très mauvais départ.
Donc Barcia 4ème, il peut s'en sortir, mais Gauthier, il est beaucoup plus loin que ça, quoi. Oui, et puis le résultat qu'on retiendra de cette course à l'américaine, c'est pas cette manche-là. Oh, quel énorme bloc passe là sur Greg Aranda. C'est ça aussi le supercross américain. Oui, parce qu'il y a la vitesse, mais il y a aussi la tactique de course. Il faut savoir des fois aller gêner un concurrent pour pouvoir profiter de ça. Et les Ricains, c'est des experts là-dedans, ils ont l'habitude. Alors on a Trey Canard en tête, deuxième place ici à l'image, c'est Justin Barcia. La troisième position pour Greg Aranda, suivi par Whelan. Et Cédric Souberas serait le dernier qualifié. À l'attaque de Whelan maintenant sur Greg Aranda, regardez ici. Justin Barcia, la série de whoops. Et on va rentrer... Nous sommes déjà dans ce dernier tour. Ça va être l'arrivée au prochain passage CP. La victoire pour Trey Canard. La deuxième Gauthier place. Paulin qui va être éliminé. Deuxième place pour Barcia. Troisième place pour Aranda. Quatrième place pour Anne. Cinquième Souberas, dernier qualifié. Éliminé donc Andrew Short, Gauthier Paulin et Cooper Webb. Belle stratégie de Barcia. Effectivement. C'est la course, hein, c'est la course n'importe comment. C'est ce qu'on aime voir aussi dans Supercross, mais Gauthier s'est fait prendre au piège. Hey, Gauthier qui vient tout juste de signer la Super Pole, hein, on l'a vu, c'était le pilote le plus rapide. Barcia, il vient de battre Barcia dans la Super Pole. Oui. Voilà. Donc voilà. Barcia, c'est pas anodin ce qu'il lui a fait au premier virage. Il avait beau être le plus rapide, la course est différente. Hein. On n'est pas sur un tour, on est sur un départ et une course. Et bien là, il a fait les frais de la tactique de Justin Barcia. Alors, nous allons repartir avec ce top 5 maintenant. Les 5 premiers pilotes sont derrière la grille de départ et on enchaîne. C'est ça, hein, le principe de la course à élimination. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de temps de pause. On est sur des courses très très courtes. Et regardez, hein, comme il avait été repoussé sur l'extérieur, Gauthier Paulin, il n'a rien pu faire ensuite pour revenir. Excellent retour également et le bloc pass ici de Justin Barcia. Ils sont très jeunes. Un peu plus jeunes que Will Hatt d'ailleurs. C'est pour dire, leur notoriété était déjà immense chez les gamins. Ils sont 5 maintenant derrière cette grille de départ. Nous sommes en direct du Palais Omnisport de Paris-Bercy pour la 31e édition du Supercross. On retrouve Cédric Souberas ici, Will Hahn, Greg Aranda. On a ensuite le numéro 51, Justin Barcia. Et à l'intérieur, Trey Canard. Allez, on enchaîne avec cette nouvelle course. Course à l'américaine, ça s'enchaîne très rapidement. Et là, on sélectionnera seulement le top 3. Deux éliminés dans cette manche. 5 secondes. Allez, bon départ de Cana. Et Greg Aranda qui a choisi de prendre l'intérieur. Non, ça ne va pas lui faire gagner de place. Il est quatrième. Pour l'instant, les deux Américains ont première place. Ah, et Souberas qui vient troisième. Ça c'est intéressant par contre parce qu'on va voir ce qu'il fait avec les Américains. Alors là on y voit que du rouge hein, puisqu'il y a 4 Honda aux 4 premières places. C'est trophée Honda. Trey Canard, Justin Barcia, Cédric Souberas, Whelan. 5e position pour Greg Aranda. Attention ici. Il était déjà un petit peu plus rapide Trey Canard. Justin Barcia deuxième. Attaque, même avec son coéquipier, il cherche pas à comprendre. Hein. Mais c'est ce qu'on aime également hein, chez Justin Barcia, c'est qu'il va aller au bout avec cette fougue, avec cette envie de gagner, cette attaque démesurée. Bon, en même temps, là, ça sert à rien hein, d'aller chercher la victoire. Non, on l'a vu dans les 3 premiers. On l'a vu dans la course suivante, justement, la victoire. Donc je pense que là, Barcia, il va se contenter de suivre. La troisième place pour Cédric Souberas, qui serait le dernier qualifié pour l'instant. Ouais, mais attention, hein, il y a l'Américaine derrière. Il y a Whelan qui est là. Qui aurait bien envie de s'inviter dans la dernière manche. Allez Jean-Michel, on rentre dernier dans tour. Le dernier tour. Allez, Cédric, il faut tenir le coup. Un Français encore hein, qualifié, ça serait Cédric Souberas pour cette course à l'américaine, une course à élimination où il n'y a pas de temps de pause entre les manches. On les enchaîne, on va prendre le top 3 pour la course suivante. Canard, Barcia, Souberas pour l'instant. Ah, il est bien Cédric, hein. Cédric il est bien, là, il va tenir. Allez, on est dans le dernier tour. C'est vrai que Whelan n'a pas la possibilité pour l'instant de porter une attaque. Allez, les hoops pour Cédric Souberas. Barcia, encore qui tente une attaque. Allez, ça suffit pour Trey Canard. Il s'impose devant Justin Barcia et Cédric Souberas qui est qualifié pour cette finale de la course à l'américaine.
Excellent, excellent travail là de Cédric Souberas. Bon départ. Bon, mais maintenant, il sait ce qu'il reste à faire. Partir devant les deux Américains. Et il ne va pas avoir la meilleure position pour partir devant. Mais au moins, il est méritant. Et dans ce genre de course-là, ces courses très rapides, on peut tout donner et tout peut arriver également. Ah oui, bah là, ce qu'il faut, il faut qu'il tente. Allez, ils sont déjà prêts. Ils sont déjà derrière la grille. Les 2-3 premiers mètres, il a tenté sans doute un coup de poker sous. Parce qu'il a affaire à lui, à deux super starters. Un pronostic, Jean-Christophe. Trois Honda pour cette. Trey Canard, Justin Barcia et Cédric Souberas. Barcia n'a pas apprécié le passage à l'intérieur. Et ça, c'est bien pour nous. C'est bien parce que Souberas. Allez, voici les trois pilotes qualifiés pour cette finale de la course à l'américaine. Ils étaient 8 au départ. On en a éliminé 5. Voici le top 3 maintenant. Et alors, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, Jean-Michel, c'est que le classement de cette course à l'américaine est la starting grid pour la finale. En fonction de ce classement, ils auront le droit de choisir leur place en premier, deuxième, troisième. Et ça, c'est important. C'est pas très bon pour Gauthier Pollen. Effectivement. C'est vraiment pas bon parce que ça veut dire qu'il va se retrouver à l'extérieur. Donc, ça veut dire déjà pas sûr de réaliser le bon départ en finale. Alors, on voit Cédric Souberas qui s'est mis un peu plus loin sur la grille pour essayer d'anticiper. Il est un peu en retrait. Oui. Mais il n'a pas le choix. Il faut qu'il arrive à sortir devant les deux pilotes américains pour les empêcher de tourner. 5 secondes. Bon, ça va être dur. Allez, recoupe. Voilà, c'est bien. L'intérieur ici pour Cédric Souberas. La réaccélération, elle est pour les Honda d'usine, les Honda américaines. Trey Canard en tête. Justin Barcia deuxième. Quelle réactivité hein, de ces Honda, de ces pilotes américains, c'est pas que la machine. Hein. Mais il n'est pas si loin. Hein. Ah non, il n'est pas loin. Mais ça va vite devant. Hein. Il ne faut pas qu'il fasse de faute, les deux devant. Allez, Trey Canard en tête. Justin Barcia deuxième. Cédric Souberas à la troisième place. Et Barcia sait que c'est important d'aller gagner ce manche pour pouvoir bien se placer à l'intérieur pour la finale. Donc je pense qu'il va essayer quand même d'aller passer son coéquipier. Ah, c'est une course primordiale, c'est sûr. Pour l'entrée en grille de la finale, Trey Canard, Justin Barcia en bagarre. Les deux pilotes américains Honda. Les deux pilotes qui seront en bagarre ensuite hein, pour aller chercher les places d'honneur en championnat américain dès le mois de janvier. Deux des pilotes les plus rapides de ce championnat américain qui sont là ce soir à Bercy. Une petite erreur là de Justin Barcia. Ça profite à Trey Canard qui a distancé. Dernier tour. Allez, toujours ce passage sur l'énorme jump là avant le saut d'arrivée. Cédric qui est pas si loin hein, de Barcia. Pas si loin. Allez, le dernier tour maintenant. Trey Canard qui a une avance assez confortable. Là, il y a quasiment le même écart entre Canard, Barcia et Cédric. C'est plutôt pas mal pour Cédric Souberas. Il n'est pas ridicule du tout. Hein. Non, c'est vrai. Et là, dans ce dernier tour, le classement devrait rester ainsi. S'il n'y a pas d'erreur hein, de la part de Trey Canard. Qui est en forme ce soir? Qui est en forme aujourd'hui hein? Il est en forme et bon, il découvrait Bercy hier. Hein. D'ailleurs, il découvrait Bercy. Mais ouais, il se fait plaisir, il aime bien. Et il s'impose. Il se ferait vraiment un gros plaisir de finir devant son coéquipier. Deuxième place. Les deux, ils s'aiment pas trop. Hein. Ouais, deuxième place pour Barcia, troisième place pour Souberas. Voilà le classement hein, de cette finale à l'américaine. Ils avaient déjà eu un duel la semaine dernière en Italie pour un Supercross italien où ils se sont partagés les victoires. Est-ce que ce soir, la victoire sera pour Trey Canard? On le verra. Lors de la première soirée de ce Supercross, elle était pour Barcia. Mais déjà, la confrontation commence en ce début de soirée. Dans quelques secondes, hein, nous aurons également ces finales. Mais avant de repartir avec la course, nous allons aller faire un petit tour dans le paddock, peut-être pour aller prendre les réactions et avoir les impressions, et notamment celles de Gauthier Pollen, Jean-Michel. Xavier, c'est à vous. Oui, exactement, Maxime, merci. Voilà, Gauthier Pollen, qu'on a vu très attentif, là, qui avait deux écrans devant lui. S'il avait pu plonger dans la télé, il l'aurait fait. Alors Gauthier, vous avez observé avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous retenez? Bon, je retiens, c'est vrai qu'ici la piste est serrée sur une course à l'américaine comme ça qui joue sur deux tours et demi, c'est compliqué, il faut faire un bon départ. Après, il faut un petit peu prendre des risques, disons, et être très très incisif pour doubler. Donc voilà, moi ça l'a pas fait, je suis parti, j'étais quatrième sur la grille de départ. J'ai fait un bon départ, mais au premier virage, je me suis fait serrer un petit peu par Justin Barcia. Donc, mais bon, c'est la course,
c'est tout à fait à son honneur. Et puis voilà, du coup je ne me qualifie pas, mais la super finale compte pour le général de King of Bercy. Donc je me concentre là-dessus et de sûr je ne perds pas une miette des autres quand ils roulent. Alors évidemment, on a envie de dire, un Américain peut toujours en cacher un autre. On attendait depuis hier Justin Barcia, puis là c'est Trey Canard qui fait parler de lui. Ce sont deux pilotes qui ont tous les deux gagné championnat amateur aux États-Unis, qui ont gagné championnat pro en 2 et demi et qui ont gagné des finales open, donc en 450. C'est, en Supercross, c'est vraiment, c'est vraiment le championnat le plus relevé. Donc c'est vraiment deux gros clients. De les avoir battus à la Super Bowl, voilà, je me sens bien sur la moto, j'ai la vitesse, je le sais. Maintenant, il faut tout mettre bout à bout durant la manche et c'est ce que j'ai fait hier. Malgré qu'il soit parti, qu'il fasse 1-2 et moi-même 3e. Mais voilà, on va voir tout à l'heure un bon départ. Encore une fois, il faut tout mettre bout à bout pour réussir à rester avec eux dans leur roue et pourquoi pas faire mieux. Merci beaucoup, on vous laisse vous concentrer. Voilà Maxime. Voilà, on a eu les impressions de Gauthier Paulin. C'est vrai que Gauthier, il va falloir qu'il cravache. Ça va être une grosse finale, une grosse soirée pour lui. Ouais, ça va pas être facile, surtout comment il se place sur la grille de départ. Donc non, c'est pas très très bon pour lui, mais en même temps bon, c'est comme ça, c'est la course, comme il a dit, c'est une course qui dure des courses de deux tours comme ça sur un circuit aussi petit, c'est pas facile à gérer. Voilà, il s'est fait bloquer un peu par Barcia était quand même très intelligent sur la manœuvre, même si il a pas trop poussé, il a quand même bien gêné quoi. Allez, on va pouvoir s'attendre à une très très grosse finale avec ce garçon Justin Barcia que l'on voit ici à l'image, un garçon allez, qui donne tout, un garçon qui est toujours à 100%, ça fait plaisir. Et puis Trey Canard, peut-être plus réfléchi, peut-être plus régulier quelquefois également. On peut compter sur Trey Canard ce soir. Je crois plus en Trey Canard ce soir qu'en Barcia. Tout simplement parce que ouais, il roule bien, il a une bonne technique, il était vite, il n'a pas fait de faute alors que Barcia fait beaucoup plus de fautes. Donc pour moi c'est mon favori pour la finale. Bon, ben merci beaucoup Jean-Michel Bay qui est avec nous pendant toute cette soirée pour commenter ce Supercross de Paris-Bercy. La suite de notre programme va nous emmener au freestyle motocross. Jean-Michel, merci, on se retrouve juste après donc pour les finales. Et puis on va laisser la place à Charles Pagès. Oui, et à tout à l'heure. Merci pour le freestyle. Merci Jean-Michel.